ici en notre compagnie. J'espère que vous êtes bien installés, en tout cas quelque part dans votre maison, dehors ou avec vos potes, je sais pas où, mais quelque part où vous voulez, parce que nous sommes partis pour 3 heures. Et oui, 3 heures, vous avez bien entendu, 3 heures minimum de joie, de rire et bien sûr du sérieux, parce qu'il en faut quand même, évidemment. Au programme de ce live, des jeux avec un blind test réplique de film qui opposera l'équipe des profs, Monsieur Comagnac, prof d'SVT, et Monsieur Segura, prof d'histoire géo, face à une équipe de lycéens. Et aussi un jeu que nous avons créé qui s'appelle Qui veut gagner des croutons. Il y aura aussi des interviews avec Mission Reportage 86 et un lycéen qui nous parlera de sa passion pour le trampoline. Vers 16h, un débat sur le salaire universel. Et bien sûr, tout cela dans la bienveillance et le respect. Et tout de suite, on passe à l'interview avec Paul. Paul, est-ce que Paul est là? Est-ce que Paul nous entend, la régie? Est-ce que Paul est prêt? Paul n'est pas. On va attendre. On va faire un petit jeu de blind test sur les films avec des emojis. Vous allez voir, c'est pas mal. Bien sûr, tout à l'heure, on aura aussi, je vous le répète comme d'habitude, vous pouvez aussi participer aussi à la scène ouverte. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire sur notre page Instagram, clubvideo.pda qui s'affiche en bas de votre écran. Bien sûr, il suffit juste de nous envoyer un petit message en message privé et on vous répondra le plus vite possible et vous pouvez y participer tout simplement. Et aussi, bien sûr, au débat, vous pouvez aussi y participer, vous pouvez toujours vous inscrire. Donc c'est pareil, un petit message privé sur notre page clubvideo.bda et on vous répond le plus vite et voilà quoi, vous pourrez participer. Est-ce que Paul est prêt? Donc on peut passer à un petit blind test. Ok, c'est pas grave. Donc on passe au blind test des emojis. Donc il y aura des emojis qui vont s'afficher sur votre écran. Vous pouvez participer dans le chat en écrivant quel film vous pensez. Donc est-ce qu'on a la première? Vous allez voir, c'est très facile. Vous verrez juste des emojis. Ça représente un film. Vous l'écrivez dans le chat pour voir si vous trouvez. Et voilà, on verra bien. Est-ce que c'est bon? Ne vous inquiétez pas, hein. C'est le début du live. Donc du coup, on va faire le jeu. Est-ce qu'on a la première image? Donc du coup, il y a un sabre et une tortue que vous devez voir en allemand sur votre écran. Donc d'après vous, qu'est-ce que ça peut être comme film? Participez dans le chat, écrivez. Un sabre et une tortue, d'après vous. Il n'y a pas grand monde qui répond, hein. Je vous rappelle, vous pouvez participer juste en bas dans le chat. Un sabre et une tortue. Tortue Ninja, yes, c'est ça, Tortue Ninja, bien sûr. C'était, bien sûr, un sabre pour le ninja. Et, bien sûr, la tortue, que vous voyez juste à côté. Rêve. Bravo à toi. On passe au deuxième emoji. Est-ce que le deuxième est... Donc, un rat découvert et une ville de nuit. Donc, d'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Pareil, vous participez dans le chat, vous écrivez. Et on verra si c'est la bonne réponse ou pas. A vous de voir. Un rat. Une ville de nuit. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Une cuisine. Déjà, vous avez un rat dans une cuisine. Déjà, juste ça. Vraiment, c'est facile. Alors, on donne une réponse. Ratatouille, ratatouille. Oui, c'est ça, c'est Ratatouille, bien sûr. Encore Rêve qui trouve la réponse. Ratatouille, bien sûr, le film de Disney.
C'est totalement ça. Est-ce que... Donc cette fois, ça sera un peu plus dur. Le prochain emoji, bien sûr. Donc un emoji monsieur, une flèche vers la droite, et un smiley pas content, et un muscle, et un cœur vert. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Ça, c'est dur, faut réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'emojis, donc ça va être très très dur. Parce que là, on commençait à être facile, là on part dans le plus dur. Donc, à vous de nous dire, qu'est-ce que ça peut être? Un muscle, un emoji vert, un emoji pas content. Qu'est-ce que ça peut être, d'après vous? C'est quelque chose, un petit indice dans l'univers Marvel. Hulk, yes, c'est ça, c'est Hulk, bien joué. C'est Hulk, donc c'était Hulk, bien sûr. Bien sûr, l'emoji pas content, parce que quand il s'énerve, et après, il se transforme en muscle. Et oui, et en vert. Donc Hulk. Il y en a un autre. Donc, nous avons les emojis. Monsieur, château et un éclair. Monsieur, château et un éclair. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Et oui, c'est dommage que vous soyez si peu à participer. Allez, vous pouvez participer dans le chat, je vous rappelle. Vous avez juste à écrire votre réponse. Et bien sûr, on vous dira si c'est la bonne réponse ou pas. Donc, est-ce qu'on peut me rappeler les emojis qu'il y a? La régie, s'il vous plaît. Un monsieur, un bonhomme. Un château et un éclair. D'après vous. Ok. J'annoncerai la réponse plus tard. Donc la régie. Je vois beaucoup de propositions là. Ils arrivent Harry Potter, Harry Potter. Je vous dirai la réponse juste après, si c'est ça ou pas. Et donc du coup, oui, c'est Harry Potter, vous avez totalement la bonne réponse. Bien joué à vous. Harry Potter, et oui. Bien sûr, le château de Poudlard, l'éclair, la magie. Et un monsieur Harry. Prochain emoji, un aigle. Comme vous pouvez le voir. Un elfe, pardon. Un elfe, comme vous pouvez le voir. Une bague. Et des sabres. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Un elfe, une bague et des sabres. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Ouais. La D'après pierre. vous. Je rappelle que vous pouvez écrire dans le chat. Et alors on a une réponse Seigneur des Anneaux. Et du coup, Seigneur des Anneaux, oui c'est ça, c'est totalement ça, c'est Seigneur des Anneaux, bien sûr. Bonne réponse. Cette fois-ci, un dur. Du coup, comme apparemment vous savez beaucoup de réponses, on va faire un dur. Voici les emojis qui s'affichent sur votre écran. Et c'est le dernier, après on va avoir Paul en interview à antenne, donc du coup le dernier est dur. Les emojis s'affichent sur votre écran. Alors non, pas beaucoup de personnes qui y participent apparemment. Mais je vous rappelle, vous pouvez toujours participer en bas, vous écrivez dans le chat, je vous dis si c'est la bonne réponse ou pas. Si vous trouvez pas, c'est pas grave, on refera
après et vous pourrez encore y réfléchir. Bon, du coup, comme personne parle, personne ne trouve la réponse, on y répondra juste après. Et maintenant, on passe à l'interview avec Paul. Est-ce que Paul, tu nous entends ? Est-ce que Paul, tu nous entends ? Ouais, je vous entends. Salut Paul, oui, comment ça va ? Très bien, et vous ? Ça va très bien. Alors, aujourd'hui, on t'interview parce que... Voilà, tu fais, t'as une chaîne YouTube qui s'appelle Mission Reportage 86, c'est bien ça ? Exactement. Est-ce que tu peux un peu te présenter brièvement ce que tu fais sur YouTube ? Je m'appelle Paul, j'ai 13 ans. Et donc, si j'interviens dans votre live, c'est dans le cadre de ma chaîne YouTube. Donc, sur cette chaîne YouTube, je fais principalement des interviews, même si son nom, c'est reportage. Parce qu'au début, je voulais faire des reportages, mais... c'est pas ce qui me plaît le plus, même si je pense que j'en ferai. Mais pour le moment, je fais plus des interviews sur l'actualité ou sur des sujets qui me passent dans la tête ou qu'on me suggère. Donc voilà, c'est et de la découverte aussi. Ok. Donc là, on aura une petite vidéo de best-of de ce qu'il fait sur sa chaîne. Donc du coup, voilà, on vous la passe. Vous pouvez la regarder. C'est parti. Alors, on a un petit problème, faut attendre un peu quelques instants. La vidéo va démarrer. Donc, du coup, tu fais des reportages et tout. Est-ce que tu as un reportage que tu as le plus aimé ? Ou une interview que tu as le plus aimé Alors, non, à je faire ? Fais des reportages, je fais plus des interviews. Oui, est-ce que tu as plus des interviews que tu as plus aimé faire ? Alors, bien sûr, il y a celle que j'ai fait tout début, là, de Jean-Paul Delevoye. J'ai bien aimé parce qu'il y avait de l'action. Parce que c'était ma première, j'ai bien aimé. Après, j'ai bien aimé aussi. Il y en a la dernière que j'ai faite avec Noël, qui est sortie avant-hier ou hier soir, je sais plus. J'ai bien aimé parce que c'est lui qui m'a demandé à faire passer un message. Et donc, j'avais plus une mission à accomplir ou un rôle, c'était de qu'il se fasse entendre. Et le plus dur, c'était d'être neutre dans ce moment-là. Et donc voilà. Ok. Bon, du coup, le best-of est prêt, donc on vous le passe. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle interview qui aujourd'hui mettra en avant le journalisme. Donc pour cette nouvelle vidéo, nous recevons Mathieu Poissonnet, qui est journaliste sur la chaîne de TF1. Bonjour Monsieur Poissonnet. Alors, bonjour Monsieur Boisson, donc vous êtes médecin anesthésiste réanimateur au Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers. Donc, bonjour Monsieur Deboeuf, donc merci de m'accorder du temps pour répondre à mes questions. Donc, vous êtes professeur de sciences et vie de la Terre au lycée Nelson Mandela à Poitiers. Donc, bonjour Monsieur Xuereb, tout d'abord merci d'avoir accepté de répondre à mes questions sous forme de visioconférence. Donc vous êtes le président du Secours Populaire dans la Vienne. Et on se rend compte qu'il y a une grosse actualité. Qu'est-ce que font les gens quand il y a une grosse actualité ? Eh bien, ils n'ont jamais été aussi nombreux devant le JT de France 2, le JT de TF1, le JT de France 3. Eh bien, en tout cas, merci, docteur Boisson, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et puis, je vous souhaite bon courage pour cette période. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Ok, alors du coup vous avez pu voir un petit best-of de ce qu'il fait, et du coup je voudrais savoir depuis combien de temps tu fais ça ? Alors, sur les vidéos sur YouTube ou en général ? Alors, en général d'abord. Ça va faire plus d'un an et demi que, avant je faisais de la web radio à la maison de quartier du local, 16 rue Saint-Pierre-le-Pelier en contrebas du centre-ville. Donc j'ai animé quelques petites émissions où je faisais du micro-trottoir, où je posais des questions aux gens dans la rue. Ça me plaisait, j'aimais bien pendant mes vacances, mais on n'avait pas de visibilité sur le site internet. Donc c'était quand on se dit qu'il n'y a personne qui regarde, qui écoute, c'est un peu démoralisant. Et puis je ne savais plus trop quoi faire parce que l'audio, je trouve que c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas trop à s'imaginer. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube.
et puis me lancer tout seul. Et puis tu as commencé avec Jean-Paul Delevoye, le commissaire en retraite, enfin, qui était au commissaire en retraite, qui était venu sur Poitiers pour parler de sa réforme. Donc c'est là où tout a commencé. Ok. Et du coup, rappelle-nous, t'as quel âge ? Donc moi j'ai 13 ans. Et t'es en quelle classe ? Donc je suis en 4e au collège de l'Union Chrétienne. Ok. Du coup, t'as commencé hyper jeune quand même. C'est déjà pas mal. Et du coup, cette expérience, plus tard, je pense que du coup, tu veux travailler là-dedans, du coup, dans ce monde un peu d'audiovisuel, je pense. Travailler, je sais pas pour le moment, ça serait c'est un peu dans les cartons, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien peut-être intégrer une école de journalisme, peut-être vers Sciences Po ou celles qui sont déjà le moins loin de chez moi et celles qui vont peut-être le plus me plaire. Mais après, on sait jamais, tout peut changer. Par exemple, je voulais faire un autre métier, maintenant, je voudrais plus m'orienter vers celui-là. Mais je ne sais pas si la semaine prochaine, je découvrirai pas quelque chose d'autre. Ouais. Mais okay. Pour l'instant, je ne sais pas si on peut parler de ça de passion, mais en tout cas, ça m'occupe. Quoi. Ok, ça t'occupe. Et du coup, t'as fait plusieurs interviews, et je voudrais savoir, pendant le confinement, et du coup, je voudrais savoir comment t'as fait pour trouver des gens pour aller les interviewer, comment t'as trouvé des contacts, des trucs comme ça, comment tu te débrouilles, comment ça se passe en gros? Les contacts, on croit toujours que c'est compliqué, mais au final, il faut bien chercher autour de soi. Si on ne connaît pas, si nos parents ne connaissent pas quelqu'un, ou si même des connaissances, ou même des fois appeler par exemple le CHU, quand j'ai voulu faire l'interview de Monsieur Boisson, je connaissais son compagnon, mais en fait, il faut toujours passer par le service com du CHU pour demander des autorisations. Et ça fait peur. Ils ont eu un peu peur quand je dis dit, oui, j'ai 13 ans, donc ça fait peur. Mais après, au final, ils ont dit oui. Mais après, je prends par exemple l'exemple d'Isabelle Barrault, que j'ai interviewée quand elle était maire, parce qu'elle n'est plus maire. J'ai appelé la mairie, tout simplement, et puis on m'a donné son numéro pour que je puisse la joindre. Voilà, ça se fait. En fait, je pense que quand on le veut, si on se donne les moyens, on peut y arriver. Bon, bien sûr, il y a des limites, mais pour monsieur Delevoye, ça a été très compliqué avec la préfecture, parce que je ne détenais aucune carte de presse. Mmh. Et le climat avec les manifestations, c'était très compliqué. Mais au final, tout se fait. Hein. Je confirme. Ok, et un tournage d'une interview, ça te prend combien de temps environ? Et comment tu t'organises pour avoir des questions, tout ça? Comment ça se passe? Le temps, en général, quand je tourne, ou la préparation des questions, jusqu'au montage, au partage. Oui. Et aussi, les questions, tu les écris comment? Comment tu les écris ou... Alors, en tout, un reportage de la conception de l'idée à la fin, ça va me prendre, ça dépend, ça peut me prendre maximum une semaine à deux jours. Et puis les questions, je les prépare généralement tout seul. Oui, c'est souvent les questions qui me passent par la tête, parce que les personnes que je vais interviewer, c'est souvent quand je me pose des questions que je me dis pourquoi pas aller les interviewer pour poser mes questions et en rajouter d'autres. Mmh. C'est un peu ça le début de ma chaîne YouTube. Et puis au final, ces questions-là, c'est aussi... Non, des fois, j'ai des copains qui m'aident. C'est assez rare, c'est arrivé une fois, mais la plupart du temps, c'est tout seul. Ok. Et du coup, est-ce que tu as des futures interviews qui sont déjà prévues, qui vont sortir sur ta chaîne? Ou peut-être des... Alors, futurs non, reportages? Moi, je prends pas d'avance. Enfin, j'ai jamais pensé à prendre de l'avance, à tourner des interviews. Parce que, en fait, j'ai remarqué que je faisais des interviews, j'en sortais plein par moment, comme si j'en avais toujours dans la réserve. Alors que non, pendant le confinement, j'en ai sorti à la suite, parce que j'avais le temps et parce que j'étais lancée. Et je pense qu'on pouvait bien se servir du sujet du Covid et du confinement pour tourner. Et je pense que ça a bien marché, parce que l'interview avec Monsieur Boisson, qui est médecin anesthésiste réanimateur, elle a bien fonctionné. Enfin, plus, c'était même assez surprenant par rapport aux autres vidéos. Ok. Ok, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. De rien, c'était un plaisir. Et je vous rappelle, sa chaîne YouTube, c'est Mission Reportage 86. Donc vous pouvez aller vous abonner, aller le suivre. C'est très intéressant ce qu'il fait. En tout cas, merci encore. Merci.
Et du coup, maintenant, on commence tout de suite, sans perdre de temps, du coup, par la scène ouverte. C'est parti. Donc, du coup, on a un petit problème technique, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer en attendant ce que c'est la scène ouverte. Du coup, si vous savez pas ce que c'est, la scène ouverte, c'est un endroit où il y a plusieurs talents qui peuvent venir s'exprimer par le chant, des instruments ou plein de choses, en gros l'art. Et du coup, vous pouvez toujours participer à cette scène ouverte, bien sûr, je vous le rappelle. Il suffit juste de vous envoyer un message privé sur notre page Instagram, clubvideo.bd1, qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et vous inquiétez pas, on va vous répondre le plus vite possible. Vous allez voir, c'est convivial, c'est sympa. Est-ce que du coup, Rêve est prête pour passer? Ok. Oui. Du coup, apparemment, elle est prête. Bonjour, Rêve. Bonjour. Comment ça va? Bah, ça va et toi? Ça va très bien. Pas trop stressé? Oh non, ça va. Ok, du coup, tu veux nous interpréter quoi, du coup? Eh ben, je vais faire Love Yourself de Justin Bieber. Ok. Ukulélé, ok. Eh ben, tu peux y aller quand tu veux. Et voilà, c'est parti. Ok. For all the time... Pardon. For all the time that you're in my brain, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't write it all thinking I still care, I don't, but you still hit my phone up. Maybe I'll be moving on, and I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't lie, you and she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all, but when you told me that you hated my friend, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and try to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't like thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and maybe I'll be moving on. And I think you should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't lie, you and she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Oh baby, you should go and love yourself. Merci beaucoup, Rêve. Merci à toi. Ça fait combien de temps que tu chantes et que tu fais du ukulélé? Je fais du ukulélé. De rien, merci beaucoup. Du coup, je vous rappelle, vous pouvez toujours participer à la scène ouverte. Et c'est simple, vous avez juste à venir sur notre Insta, clubvideo.bda, qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et
vous nous envoyez un petit message privé et on vous répondra le plus vite possible. Vous passerez à la fin, vous verrez, ça va être très convivial, ça va être cool. Et du coup, est-ce que on est prêt? Est-ce que Mathieu est là pour l'interview? Ok, il n'est pas prêt. En tout cas, il n'est pas prêt, donc c'est pas grave. On va passer, on va faire peut-être la suite du jeu du blind test avec les emojis. Vous allez voir, c'est pareil que tout à l'heure. Et donc du coup, apparemment, quelqu'un avait trouvé dans le chat, la réponse était Mary Poppins. Oui, c'était clac-la-chaud, bravo à toi d'avoir trouvé cette question. Du coup, est-ce qu'on est prêt à passer au prochain emoji? Alors, un vieux monsieur, du coup, une maison et un ballon. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Un vieux monsieur, une maison et un ballon, d'après vous. Qu'est-ce que ça peut être? J'attends vos réponses dans le chat, vous écrivez sur YouTube, juste en bas dans le chat, et je vous dirai si c'est la bonne réponse ou pas. C'est parti. D'animation. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être. D'après vous. D'après vous. Là-bas. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est une bonne blague parce que c'est presque ça. C'est presque ça. Donc, là-bas. D'après vous. Je vous rappelle. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'on peut me rappeler les emojis qui s'affichent sur votre écran? Un monsieur, une maison et un ballon. D'après vous, film d'animation, un monsieur, une maison et un ballon. Dans le chat qui vous a aidé avec là-bas, on n'est pas très loin, donc à vous de chercher un peu, c'est pas difficile. Si vous voulez, je vous donne même un indice, c'est le contraire, il y a là dans le mot, et c'est le contraire de pas. Donc d'après vous, qu'est-ce que ça peut faire? Je vous rappelle, vous pouvez participer dans le chat et je vous dirai si c'est la bonne réponse ou pas. Donc du coup, on a une prochaine interview. Ça s'appelle Mathieu, vous allez voir. Il a une passion qui est très sportive, vous allez voir juste après. En attendant. Donc du coup, alors donc du coup c'est là-haut, bien joué, celui qui a répondu ça, c'est là-haut, et oui c'était un film d'animation, là-haut, un bonhomme, une maison et un ballon, là-haut, c'est facile. Maintenant c'est, est-ce qu'on peut me répéter s'il vous plaît? Couronne et un gorille, d'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Gorille. 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 D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Je vous rappelle, vous écrivez dans le chat et je vous réponds si c'est la bonne réponse ou pas. D'après vous, qui ça peut être? Et je vous rappelle qu'on a des gens hyper sympas qui nous ont fait de la pub pour ce live. Je remercie le compte Instagram Même Poids de Vin. Merci, là ça s'affiche juste en bas de votre écran. Allez vous abonner, allez les follow. Ils font des trucs super. Donc merci à eux. Et on voudrait aussi remercier, même tirer du bas pour tout ce qu'ils ont fait aussi. Leur Insta s'affiche aussi en bas de votre écran. Allez les follow. Vous allez voir, ils font aussi des bonnes choses. Merci à vous. En tout cas, merci aux deux comptes. Donc d'après vous, qu'est-ce que ça peut être? D'après vous.
d'après vous. Bon, personne n'a trouvé la réponse, du coup, on va reprendre juste après le jeu et tout de suite on passe à l'interview. C'est parti. Du coup, est-ce que Mathieu est là? Oui, Mathieu est là. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment tu vas? Ça va super. Donc tout ça va très bien. Donc du coup, si tu es là, c'est que tu as quelque chose à nous présenter. Est-ce que tu peux nous te présenter toi, brièvement, et aussi ce que tu fais? Moi, je m'appelle Mathieu, j'ai 15 ans. Je suis au lycée d'image et du son à Angoulême. Et okay. Je fais de l'acrobatie, entre guillemets, ouais, de l'acrobatie dans mon jardin, parce que j'ai un trampoline. Et j'ai fait un an de parcours. Et voilà, j'ai fait une vidéo, du coup, vu que je mets le montage avec ce que je fais. Voilà. Ok. Et du coup, on a une vidéo la vidéo n'est pas prête. Bon, c'est pas grave. Du coup, ça fait combien de temps que t'en fais, du coup? Depuis que je suis en quatrième, je pense. Quatrième. Ça fait deux ans. Ok, ouais. Du coup, la vidéo est prête, du coup, on va la passer, regarder, c'est très intéressant, c'est parti. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options, I can pass that bitch like Stockton. Just joshin', I'ma spend this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. I can put the ball in the end zone, put a bad bitch in the friend zone. This shit sound like an intro jet song, give me that tempo. Told Pooh he a fool with the shit. Told her don't let her friends know. In the Ville and I move like a dime. Eating fettuccine at Vincenzo's. Me and my amigos got that free smoke on the west coast. Yeah, I'm talking about pre-rolls. Dark hair bitch and she look like she go. She do. Hometown hero, feeling myself, can't murder my ego. She heard of my deep stroke. She said, babe, does it hurt when I deep throw? It does. Certified freak hoe, hang around dust and she learning my lingo. Back then wasn't worried about me though. In the gym trying to work on my free throw. Goddamn. Spending money at the club like Sam's. Yes ma'am, she a little freak on cam. But she don't put this on the ground. Little boys trying to diss on the ground. Hey, I can't switch on the fan. Shit's hot, hit the switch on the fan. This where my head is. I feel resentment from every direction. Even some courage from sharing my blessings. We used to share. Dark hair bitch, she look like she go. Ok, donc du coup, on vient juste de voir la vidéo. Du coup, on voudrait savoir combien de temps. Genre, comment cette passion t'est venue à toi? C'est parce que quand j'avais 8 ans, ma mère elle a gagné un concours sur internet où on avait un trampoline. Et du coup, j'ai commencé à faire du trampoline. J'ai aimé faire des petits saltos, des trucs comme ça. Et en troisième, j'ai vu que je pouvais m'inscrire à Poitiers. C'est une salle de gym où en gros ça mêle le parcours, la gym et l'acrobatie sur trampoline. Du coup, j'en ai fait un an. Et là, depuis le confinement, je fais plus que ça. Donc voilà. Donc c'est un peu ton passe-temps, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est une activité très dangereuse, comme on a pu le voir à un moment, t'as fait une chute dans la vidéo. Et du coup, je voudrais savoir, est-ce que tu t'es beaucoup de fois blessé? Est-ce que vraiment tu trouves ça dangereux, toi, de ton point de vue? En fait, ce qui est dommage, c'est que ouais, si on retombe sur la nuque, par exemple, là, ça va, je fais pas des gros trucs. Donc si je tombe sur la nuque, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, ça fait un peu mal. Mais y en a ouais, qui poussent le jeu à fond quoi, et qui parfois chutent très mal et peuvent finir paralysés ou dans certains cas morts. Ouais, faut faire attention. Et du coup, est-ce que t'en fais avec tes potes, des trucs comme ça? Ouais, bah oui, parce que de toute façon on est un groupe de potes en fait au parcours, mais sinon là pour l'instant non, parce que bah du coup pendant le confinement j'ai vu personne. Et sinon, c'est plutôt un truc solo en fait. Solo. Enfin, sur Instagram, on est beaucoup à se parler de ça et tout, parce qu'on se donne des conseils, tout ça. Mais sinon, là pour l'instant, plutôt seul. Ok. Et les parcours, ça se passe comment? Ils sont préfabriqués? C'est vous qui les fabriquez? Ça se passe comment? En fait, on va dans la salle de gym, on a des modules mous. Avec un sol un peu plus rebondissant, ce qui fait que voilà, on essaye de pas se faire mal. Et après, on va faire nos figures dans la rue ou sur des toits. Mais sur des toits, c'est quand même, faut bien s'entraîner avant, parce que c'est un peu dangereux. Et est-ce que t'as un endroit où tu as fait un parcours qui était vraiment dangereux?
Pas vraiment. Bah, en fait, chaque saut est plutôt. Enfin, je me lance jamais sur un saut si je sais que je vais tomber. Donc au final, non, je vois pas trop. Après, oui, parfois on saute de toit en toit. Bon, le saut il fait même pas 2 mètres. Mais en dessous, si on tombe, là oui, la chute peut être fatale, quoi. Ok, et du coup, ça fait un peu. Je dirais. Du coup, ça te fait. Rappelle-moi, ça fait combien de temps que t'en fais? 2 ans. 2 ans. Ok, et du coup, 2 ans. Du coup, je suppose que t'as un trampoline chez toi, comme on a pu le voir dans la vidéo. Et du coup, tu préfères faire un parcours. Tu préfères faire des acrobaties sur le trampoline ou plutôt faire des parcours? Plutôt sur le trampoline en fait, moi. Parce que le parcours, c'est assez limité niveau. Enfin, vraiment être très fort pour envoyer des figures. Sur le trampoline, c'est plus libre, voilà. C'est plus libre parce qu'on va bien plus haut. Et Puis on peut faire plus. du coup tu penses en faire ton métier ou juste une passion sur le côté? Pour l'instant, ce serait plus une passion parce que de toute façon, je vois pas grand monde qui arrive à en vivre. Mais non, plus une passion quand même. Ok. Ouais. Bah en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah merci. Donc apparemment t'as un compte Instagram où on peut te suivre, est-ce que tu peux nous dire? Ouais, c'est arrobase Mathieu avec 2 U tiré du bas DD. Comme Voilà. je me garde mon nom. Donc vous pouvez aller le suivre. Il y a Mathieu-DD, donc avec 2 U bien sûr, vous pouvez aller le suivre. Il y a des vidéos de ses acrobaties. Et voilà, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et tout de suite, on passe au blind test présenté par Adrien Chéniaud, mais apparemment, avant, normalement, il y a des petites pubs à passer. Et du coup, on va repartir. Ah, mais juste avant, on m'annonce qu'on va repartir sur le jeu des emojis, donc on repart, c'est parti. Donc, est-ce qu'on peut nous afficher le premier emoji? Le premier emoji. Ça représente. Donc du coup, on a une réponse. King Kong, oui, c'est ça, c'est la bonne réponse. Bravo à toi qui l'as trouvé. King Kong, on passe au prochain emoji. Un fantôme du coup. Et un rond barré, d'après vous. Qu'est-ce que ça peut être? Un fantôme et un rond barré. D'après vous, je rappelle, vous écrivez ça dans le chat et on vous dira si c'est la bonne réponse ou pas. Ok, donc là, on nous dit Ghostbuster, bravo, c'est totalement ça, c'est Ghostbuster. Bien joué à vous. Bien joué à Rêve. Et bien sûr aussi à Coiffard, Louis. Est-ce que on passe un prochain emoji ou pas la régie? Ok, on passe un dernier emoji avant de passer au blind test présenté par Adrien Chéniaud. Un petit garçon, une tablette de chocolat et une usine. D'après vous, un petit garçon, une tablette de chocolat et une usine, d'après vous, qu'est-ce que ça peut être? C'est simple. Je pense. En tout cas, pour moi, c'était simple. Donc, c'est un film hyper connu, quand même. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Yes, je vois
plusieurs personnes qui me disent Charlie et la chocolaterie. C'est totalement ça, bravo à vous. Charlie. Charlie et chocolaterie, sorti en 2005, précisément. Tim Burton, le réalisateur. Donc, Burton, pardon, Tim Burton, le réalisateur. Et du coup, apparemment, est-ce qu'on est prêt pour... Ok, on en fait vraiment le dernier et après on passe au blind test. Alors, les émojis d'un monstre sont affichés juste à côté sur votre écran. Un petit bateau et un gros requin. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Un petit bateau et un gros requin. Un petit bateau et un requin. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Oui. Bien sûr, c'est la bonne réponse, c'est totalement ça. Ce film est sorti en 1976, précisément. Donc le réalisateur est Steven Spielberg, pardon, excusez-moi. Et donc du coup, c'est la bonne réponse, c'est totalement ça. Apparemment, on me dit que les profs sont prêts pour passer au blind test, et les élèves aussi. Mais juste avant, je crois qu'on a une page de pub, si c'est bien ça la régie. Ok, donc juste après, on aura un blind test avec deux profs qui sont Monsieur Comagnac, prof des SVT, et Monsieur Sigura, prof d'histoire géo, face à deux élèves. Ça sera présenté César et Clément, ça sera présenté par Adrien Chéniaud. Mais juste avant, on a une pub. Normalement, on a des pubs, je crois, si c'est bien ça. La régie. Alors, on les a pas pour l'instant, on va attendre quelques instants, ça va vite arriver. Ok, c'est bon, on les a. Du coup, donc on se retrouve juste après la pub, et c'est parti, à tout de suite. Entrez. Oui, bonjour, je viens pour l'entretien d'embauche. Oui, entrez. Excusez-moi, j'ai oublié de frapper. Entrez. Oui, bonjour, je viens pour l'entretien d'embauche. C'est ici? Oui, c'est là, c'est où? Si. Tenez. Merci. Attendez, vous avez passé 3 fois le bac? Oui, et est-ce que je l'ai eu? Oui, vous l'avez eu 3 fois. Ah bah, super, en fait, j'ai Alzheimer, donc j'oublie tout ce que je fais. Ah mais écoutez monsieur, ça change tout. Vous êtes embauché? Ah, merci monsieur. Vous êtes dans l'équipe? Merci. Écoutez monsieur, je vais vous présenter l'écho, vous allez pouvoir... Faites plutôt confiance à de vraies informations. Je pense que... Au télé. Merci. Crampes ventrales, ballonnement, douleur dans le bas du ventre, constipation, le carré, la solution à tous vos problèmes intestinaux. 44 ml suffisent, et en un instant, tous vos problèmes disparaissent. Ce produit est disponible en pharmacie, parapharmacie, sans ordonnance et dans tous vos magasins de journaux. Ce prix défie amplement toute la concurrence. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. Nos clients sont satisfaits ou remboursés. Alors n'hésitez plus, optez pour le carré, la solution à tous vos problèmes intestinaux. Et pour la fête des mères, recevez 50% sur toute notre gamme de ventouses. Le carré, ça vous en débouche à quoi? Bonjour et bienvenue sur le live, je suis Adrien Chéniaud et je vais vous présenter le blind test. Avant vous avez vu Noah qui vous avait présenté quelques talents. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter le blind test. Et ce blind test je vais le présenter, ça fait 3 fois que je le dis. Les participants sont des profs et des élèves du lycée du Bois d'Amour. Nous avons Monsieur Comagnac, César, oui, et Clément. Ouais.
peut-être que Clément pourrait nous rejoindre en cours de route. Bien, quand la régie sera prête, on commencera avec le premier extrait. Quand la régie sera prête. Voilà. En attendant, je vous propose... En attendant, je vous propose de partager votre état d'esprit, même si je sais que vous êtes moyennement confiant. On a entendu un petit extrait tout à l'heure. Est-ce que ça vous donne un peu plus... Fallait réviser son de finesse, apparemment. Ah, il n'y a pas que du de finesse. Il y a du plus vieux jusqu'au un peu moins vieux. Qu'est-ce que t'appelles plus vieux ? On a tapé dans le cinéma français pour vous mettre les versions originales. Qu'il n'y ait pas de débat sur le VO-VF. Alors, la régie me dit que c'est bon, donc on va vous lancer le premier extrait. Foie gras, de prendre. Bonjour, ça va ? Quoi ? Je te dérange pas, Patrick Juvet, tu veux un café ? Tu vas faire ça. Quoi ? C'est lourd, toi. Viens, viens, viens. Vas-y, vite, vite, vite. Mais oui, Omar Sy. Allô ? Allô ? Allô ? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc ? Juste une fois. Le dîner de con. C'est moi ? Bonsoir, monsieur Leblanc. Georges Van Bruegel, à l'appareil. Pardon de vous déranger à une heure aussi tardive. Je suis producteur belge, n'est-ce pas ? J'arrive de Belgique une fois et je suis très intéressé par votre roman. Le petit cheval du manège. On vous balance tout de suite le prochain extrait. Cette tranche de pamplemousse. Où était-ce ? Oui. Oh, j'ai pas le réflexe. C'est monsieur Comagna qui a dit la bonne réponse. Il me semble. Ah, mais lequel d'ailleurs ? Je sais plus. C'est le premier, la scène où ils sont dans l'ascenseur avec les Chinois et les Allemands. On vous repasse les. Tranche de pamplemousse. Robuste, les têtes de prune. Les cœurs d'ananas. Les rondelles citron. Les bananes flambées. Avant qu'elles soient flambées. Les bananes, quoi. Ah, je descends là. Voilà, on vous lance tout de suite le prochain extrait, mais d'abord un petit rappel des scores. Nous sommes à 2 points pour César et 1 point pour Monsieur Comagnac. Donc 2-1 pour bonne César. Chance surtout. Ah, je vous chante santé. Santé. Oui. Ah. Oh, c'est fort. Ah oui, il est dégoûté. Le fond de bouteille. Ah ouais. Donc 3-1 pour César. Ouais, bah c'est bon. Pour rappeler le score, toujours. À vous. Vos fleurs ne sont pas belles. My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. My flowers are beautiful. Vos fleurs sont tartes. Tartes, miaou. Excuse me, I am sorry. Sortez. Petit frère pour son adjudant. Là. Mon adjudant. Mon adjudant. Your attitude is not just. Voilà. Qui c'est qui a dit ça ? Oui, avec c'était le gendarme à New York avec De Funès. Oui, oui, oui. Michel Galabru et plein d'autres. Plein d'autres bons acteurs. Ça va être tout noir ! La gueule, la gueule. Ça va être tout noir ! La gueule ! Oui. La gueule. Ça va être tout noir. La gueule. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Alors. C'était
C'est par Chabat. Oui, c'est César qui a eu la bonne réponse. Et je vous propose un point bonus pour celui qui arrive à trouver le nombre de R dans le titre. 6. 7. 7. 7. Bonne réponse. Oh. Je suis vraiment allé à l'enchère. J'ai... C'était par chance. C'était magnifique. Il y en a 3 majuscules et 4 minuscules. Ouais. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas. C'est pas mon cas, bien évidemment. Alors, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Il y a Martin Fourcade qui l'avait repris pendant une interview. C'est assez drôle à voir. Tout de suite, le prochain extrait. En tout cas, bien joué. Comment ça? C'est pas genre le coup de la panne et tout. Mais là, la voiture est vraiment en panne. Ouais, c'est ça. Et mes seins, c'est des vrais. Trop mignon. Merde! Oh, pardon. Oh! Hein? Je l'ai pas, là. Alors, c'est un film très récent avec Philippe Lachaud. Ah, Babysitting. Babysitter. Non. Un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il a fait avec oui Didier Bourdon. Oui. Je sais pas. Non, c'était alibi.com. Alibi. Voilà. Ah, d'accord. On passe au prochain extrait. Alors, normalement, nous sommes de retour sur YouTube après une brève interruption due à un léger bug du logiciel de diffusion. Nous étions à alibi.com, un film de Philippe Lachaud, et nous passons tout de suite au prochain extrait si la régie est opérationnelle. On était juste après alibi.com. En tout cas, bien joué. Alibi.com. Oui. Prêt pour le signe casse. Complètement d'accord. Ok, alors jambe gauche fléchie, droite tendue, comme si tu pissais dans un bocal. T'allonges le bras, tu pars du nord-ouest pour arriver au sud-est sans toucher la Corse. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Mais ça marche aussi à l'envers. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Variante, double, et tu casses, et tu casses, et tu casses. Et enfin pour casser en loose-dé, le baby casse. Et tu baby casses, tu baby casses. Tu baby casse. Aïe, tu sais casser. Bah ouais, je sais. C'est le premier film qui est lancé d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup d'autres acteurs. Très connus. Comme beaucoup de films, ouais. Oui, dans beaucoup de films, il y a des acteurs. C'est fou. Ouais, souvent, ouais. Bah, tout de suite, on passe au 10e et dernier extrait. Ah ouais. Ah, 10e, mais pas du tout dernier, à ce qu'on me dit. Tu mets de la menthe au fond de la bouteille? La guêpe est attirée par le sirop, elle passe par le trou, elle peut plus ressortir, et elle meurt d'asphyxie. Ou de diabète. À cause du sucre. Non, mince. Alors, c'était un film avec Franck Dubosc. Ah, camping. Merde. Camping. Oui, camping. Vas-y. Oh! Oui, il l'a eu, il l'a eu. Oh ! Oui. Je reconnais. Monsieur Comagnac, vous l'avez eu, vous êtes à 4 oui. Et César, tu es à 7. Non. Mais ça n'avait pas dit, ça.
Nous sommes tous prêts pour l'extrait suivant. Oui, le 11e extrait. Tu mens. Il ment. Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Tais-toi. Non. Non, écoute. Je ne te permets pas de me vouvoyer. Enfin, je ne me permets pas de me vouvoyer. Ça suffit. Hein. Écoutez, visiblement, cet homme est épuisé et il ne peut plus suivre un raisonnement logique. Alors, nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors, messieurs, promenez-le dans sa cellule. Non, oui, la folie grandeur. Ah, mais j'allais dire ça. Oui, la folie des grandeurs. Je peux c'est pas la folie des grandeurs. Non. Ah, Fantomas. Fantomas. Ouais, ça compte. Ok. Oui, ouais. On est tous prêts pour le suivant. Votre code, s'il vous plaît. Je sais plus. Bon, 4931 aisé à retenir. C'est le 42e nombre premier à 4 chiffres. Et le carré de 4931 est un nombre remarquable. Pourquoi ? Oh, c'est ça, vous avez qu'à parler dans le micro, comme ça tout le monde est sur mon code, hein. Ah. Tiens, Balthazar, peux-tu me laisser pousser le 4 Ah non, chacun son tour. Balthazar, tu vas pousser à l'année. Oui, c'est un film des inconnus. Ah, le pari. Les trois frères ? Trois frères, ouais. Non. Madame Irma. Et l'autre, après, je connais pas. Bah, le pari, non ? Non. Il a fini par Balthazar. C'est d'autres films ? Ah, les trois mages, les rois mages. Oui, les trois mages. Les fromages. Les fromages, oui, pourquoi pas. Non, erreur de... Les rois mages, ils ont fait ça, les inconnus. Ouais. Ouais. Pas terrible. Pas vu. La suite... On va lui faire une ordonnance et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Oui, aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Donc on est à 7 à 8, il me semble. Avec 13 films. Pas possible. Ouais, non. En 6-8. Bon, je pense que César a un peu d'avance, hein, quand même. Bon. Légère avance. On va dire 6-8. Ok. C'est contrôlé par un huissier de justice en plus. Ouais, de l'ouvrière, ouais. Le prochain extrait. Sens-moi ça, si ça sent bon. Ça sent le jardin. Ça sent le chou. Ça sent les quatre saisons. Ça sent la terre. Oui. La terre. La terre. Ça sent la terre après la pleu. Parce que par ici, on dit pour la pluie, on dit la pleu parce que c'est encore plus mouillé. La terre après la pleu. Ouais. Tu parles comme un vrai ouf. C'est ça, ouais. Heureusement que je l'ai payé en cash avant. Ça vient. L'avant-dernier extrait. Voilà. Mais si. Alors les bavaroises, ça marche ? Toujours un tracteur ? Je m'excuse pour la dernière fois, mais comme un con, j'avais oublié le frein à main. C'est pour ça que j'avançais pas. Je te parle. Maintenant, ça va beaucoup mieux, là. On se refait un petit lièvre ou vous restez ridicule ? Ça va. Vous, les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir. Ah, je t'ai vexé, là. Je vais te faire exploser ta Peugeot. Non, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Allez, tiens, je te redonne une chance, mais ce coup-là, je vais pas parier gros parce que je commence vraiment à avoir des scrupules à te prendre ton pognon aussi facilement. Je sais pas. C'était la voix de Samina Seri. Oui, taxi. Ah, taxi, oui. Ouais. Taxi. Un nouveau point pour Monsieur Comagnac. Un de plus. Oui. 8-9 pour César. Alors, c'est le dernier extrait et Monsieur Comagnac peut égaliser dessus. C'est stressant. Ah oui, hein, c'est dur. Ouais. Et le dernier extrait, maintenant.
C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Bah, je vous en prie, ne vous savez pas, elle va s'étudier. C'est pas grave, vous en avez pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, va plus voir. Hein? Mais mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Écoutez, je prends une avion, ça va plus. Ah oui, le cornu, ouais. Voilà, on finit sur une égalisation de 9-9. Magnifique. Inespéré. La remontada. Est-ce que vous avez été, confiant? Est-ce que... À la fin, moi. Moi, je suis heureux, hein, heureux. Il n'y a qu'un mot qui a mes sentiments. Est-ce que vous êtes heureux d'avoir fini sur une égalité et de ne pas avoir de vainqueur? Oui, c'est bien comme ça. C'est bien. Ça a évité une déception inutile? C'est ça. C'est ça. Je vous remercie d'avoir participé, Monsieur Comagnac, César, Monsieur Segura et Clément. Merci de vous être rendu disponible pour nous, même si on n'a pas pu jouer avec vous, malheureusement. Juste après la pub, on se retrouve pour Qui veut gagner des croutons, présenté par Noah. C'est une rediffusion de l'émission de mercredi dernier, suite à quelques raisons un peu obscures. Et on vous retrouve tout de suite. J'ai soif d'aventure pour ceux qui ont faim de liberté. Je suis le gardien de valeurs qui n'ont pas de prix. Toujours solidaire. Jamais solitaire. Je reste en éveil pour que vous dormiez en paix. Je veux être le nouveau souffle, juste après la tempête. Toujours debout, j'avance pour faire reculer la peur. Ici. Ailleurs. Et plus loin encore. J'irai toujours de l'avant, pour que les hommes ne reculent jamais. L'armée de terre recrute 15 000 soldats. S'engager.fr. Votre volonté, notre fierté. Crampes ventrales, ballonnement, douleur dans le bas du ventre, constipation. Le carré, la solution à tous vos problèmes intestinaux. 44 millilitres suffisent et en un instant, tous vos problèmes disparaissent. Ce produit est disponible en pharmacie, parapharmacie, sans ordonnance et dans tous vos magasins de journaux. Ce prix défie amplement toute la concurrence. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. Nos clients sont satisfaits ou remboursés. Alors n'hésitez plus, optez pour le carré, la solution à tous vos problèmes intestinaux. Et pour la fête des mères, recevez 50% sur toute notre gamme de ventouses. Le carré, ça vous en débouche à quoi? Ouais l'équipe, je vous fais une petite story là en direct de mon appart à Poitiers les gars. La cité. Juste, faut que je vous parle d'un truc vachement important. Je vous explique après. A tout de suite l'équipe. Ouais l'équipe, faut que je vous annonce un truc. Je sais pas, vous avez remarqué j'imagine, parce qu'on en entend partout parler. Il y a le coronavirus qui est arrivé et il y a plein de morts et j'ai trouvé une astuce pour sauver le monde. Genre vraiment, vous allez voir la story suivante, mais ça va sauver des vies à mort ce truc. Allez, à plus. Ça, c'est un truc de ouf, l'équipe. Et on peut tout faire.
croûtons, on a que sur notre plateau, enfin en visioconférence, vous m'avez compris, Kylian et son ami Thomas. Salut. Salut. Comment vous allez? Bah ça va nickel. Ça va, on est là. Bah j'espère en tout cas que vous êtes prêts à jouer à ce jeu, mais avant je vais vous expliquer les règles, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Ok, donc dès le début de la partie, vous aurez 25 points, mais vous pourrez en perdre. Vous devrez répondre à 15 questions, dont les 5 premières qui sera la manche nugget, les questions 6 à 10 qui sera la manche menu, et les 5 dernières questions qui sera la manche sel ou poivre. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Ouais, nickel. Ok. Et si vous êtes encore en vie ici, il y aura la finale, le crouton de la mort. Donc je vous expliquerai les règles de chaque manche plus en détail à chaque début de manche, de partie. Donc, voilà. C'est bon, vous avez compris jusqu'à là? Ouais, ouais. Ok. Mais vous aussi, viewers, vous pourrez participer car entre chaque manche, vous poserez, vous poserez une question où vous pourrez répondre dans le chat. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Ok. Donc, vous avez compris les règles principales, c'est bon? Ouais. Ok. Donc, si c'est pour vous, eh bien alors, c'est parti pour la première manche. Nugget. Alors, les règles de cette manche sont très simples. Je vous poserai une question qui apparaîtra sur votre écran et il y aura plusieurs propositions de réponse. Vous devez choisir la bonne proposition de réponse et la valider. Mais attention, si ce n'est pas la bonne réponse, vous perdez 3 miams sur les 25 que vous avez dès le départ. Okay. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. Ouais. Eh bien, c'est parfait. Voici la première question. Lequel de ces Darwin Awards est faux? Réponse A. Un homme a joué à la roulette russe avec un pistolet automatique. Réponse B. Un homme a fait le plein de son véhicule éclairé par une bougie. Réponse C. Un homme s'est étouffé avec le soutien-gorge d'une stripteaseuse. Ou réponse D. Un homme a sauté par la fenêtre déguisé en Superman. Okay. Vous avez le temps, prenez votre temps, concertez-vous. Voilà. Moi je dirais la C parce qu'elle est drôle. Moi je serais plus sur la B. Genre un mec qui a pris feu parce que en faisant le plein de sa voiture avec une bougie, on s'éclairait. Non, là c'est. Non, je pense vraiment que c'est la C. Ouais, mais je te fais confiance. Hein. Ouais, je dirais la C. Vous direz la C, vous validez? Ouais. Ok. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais. Ouais. Ok, et eh ben la réponse. Vous avez dit la réponse C. Oui. Un homme s'est étouffé avec le soutien-gorge d'une stripteaseuse. Exactement. Et ben, alors et ben, c'était la mauvaise réponse. C'était la réponse D. Un homme a sauté par la fenêtre déguisé en Superman. Ok, ok, pas mal. Bah, vous perdez du coup 3 points. Du coup, ce qui vous fait 22 points. On passe à la deuxième question. La première société distributrice de jouets en France est... Réponse A. Mattel. Réponse B. Toys R Us. Réponse C. Les prêtres. Ou réponse D. McDonald's. Toys R Us. Ça me paraît logique. Je dirais. Ouais, ça me paraît vraiment logique. Ah, mais ça me paraît tellement logique que si ça se trouve, ça va être un piège. Ah, c'est une bonne question ça. Peut-être, on sait pas. À vous de voir. Je dirais Toys R Us. Ouais. Les autres, on les connaît pas donc. Ouais, c'est bah, sauf McDonald's. Oui, mais Et eh ben, je dirais Toys R Us. Ouais, Toys R Us. Toys R Us. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, monsieur. Oui. Eh ben, c'est encore une fois la mauvaise réponse. Encore 3 points en moins. Si c'est McDo. Donc du coup, vous êtes à 19 points. Et c'est 19 points. Et vous, c'est McDonald's. Mais quoi? McDo. McDonald's est la première société distributrice de jouets en France. Et ben on en apprend tous les jours. Eh ouais, on apprend tous les jours grâce à qui vous gagnez des croutons, évidemment. Chez Ikea, les meubles de jardin ont tous des noms. Réponse A, d'animaux d'Europe du Nord. Réponse B, de fruits et légumes. Réponse C, d'îles suédoises.
ou réponse D, tirer au Scrabble. Ok, c'est soit la D, soit la D. Soit la C, soit la D. Non, c'est pas la D du tout. Si, si, ça non, fait non, la non, 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 non. Non, mais des îles en. Attends, il y a pas tant que ça. Bah non, non. Donc moi, je pense que c'est dans les premières. Moi, j'irais là-bien, ouais. Tu vois pourquoi? Non, on arrête de jouer comme ça, C'était quoi les deux premières propositions? Je répète. Réponse A, d'animaux d'Europe du Nord. Réponse B, de fruits et légumes. Réponse C, d'îles suédoises. Réponse D, tirer au Scrabble. Moi, je pense que les fruits et légumes, ça peut être pas mal. Ouais, bah vas-y, on part sur bon, ça. Bon, bah, voilà. Le talent dit fruits et légumes. Donc, vous disiez la réponse B. Exactement. Ouais, vous dites. Excusez-moi, on m'informe que j'ai fait une faute. Et ben, bah, c'est encore une mauvaise réponse. Putain, c'est la D. Non. C'était l'île suédoise. Oh, mais elle n'a pas compris ça. Quand même. C'est quoi cette question là? On est naze. Et du coup, vous êtes à 16 points. Ah, c'est compliqué. Il ne durera que 20 minutes le jeu. Il ne durera que 20 minutes. Allez, on passe à la quatrième question. Des putains de barrel. Combien de temps dure une minute de silence? Réponse A. Problème. Une minute. Réponse A. Ah, pardon. J'ai pas. Combien dure une minute de silence en Angleterre? Je précise. Réponse A. Une minute. Réponse B. 2 minutes. Réponse C, 30 secondes. Réponse D, 5 minutes. Ok. Oui. C'est vrai que c'est une bonne question. Moi, je dirais la D. La D, c'est 5 minutes La D, oui, c'est 5 minutes. Ah non, pardon, la D, c'est la réponse 2 minutes, c'est 2 minutes, la D. Ok. Moi, j'ai la 2 minutes. Je pense que ce serait trop facile de dire une minute. Et je vous rappelle que c'est en Angleterre. Bon, en Angleterre. Donc ça peut être Moi, je sais pas du tout là. Je te laisse, Une minute, 5 bon, minutes, 30 secondes ou 2 minutes. Eh bien, on va partir sur une minute. Est-ce que c'est votre dernier mot? Dis 2 minutes. Non, en fait, on va dire 2 minutes. 2 minutes. Eh bien, est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Oui, 2 minutes. Et eh ben c'est la bonne réponse. Et non, c'était une blague, c'était une minute. C'était la mauvaise réponse. C'est la mauvaise réponse, c'était une minute. Donc. Bon, encore une fois, on m'informe que c'est 2 minutes en fait la réponse. C'est la bonne réponse. Donc c'est la bonne réponse. Donc du coup vous perdez aucun point. Mais du coup on a raison. Du coup vous avez raison, oui c'est 2 minutes, vous perdez aucun point, du coup vous êtes toujours à 16 points. Ok. Ok, on passe à la prochaine question qui est la dernière de cette manche. Je suis sûr qu'ils aient fait exprès. La plus grande réplique de cinéma est réponse A. Bond, James Bond. Réponse B. Vous ne passerez pas. Réponse C. Nom de Zeus. Et réponse D. Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis. Autant en porte le vent. Ah oui, la plus longue. Bah, en vrai. Attends. Attends, la plus grande. Non, moi je te laisse. C'est la plus grande ou la plus longue? La plus grande. On va répondre que comme ça et on va jamais réussir.
Je te laisse répondre sous là. Mais la plus grande, je ne m'aventurerai pas. Dans c'est soit la D, soit la B. Soit la quoi? Soit la B, soit la D. Entre la D et la B. Ok, moi je miserais sur la B. Donc. Vas-y. Fais ce que tu veux. Ouais, bah la B du coup. On va encore entendre la régie nous dire putain, ils sont trop cons. Du coup, vous misez sur vous ne passerez pas. Oui. Oui. Et bah, si c'est encore une mauvaise réponse. C'était la D, j'en suis sûr. C'est laquelle? C'était la D, la plus longue. C'était franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis. Autant, emporte le vent. Du coup, vous êtes à 13 points. Bah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. En première manche, hein, quand même. Ouais, on va pas tenir la deuxième manche. Non, c'est qu'on nous te l'aime. Donc, du coup, je vous rappelle que vous aussi, viewers, vous pouvez participer à ce jeu. Donc, voici la première question. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Réponse A, Jonathan. Ou réponse B, un chien mort. Écrivez votre proposition dans le chat et je vous donnerai la réponse lors de la prochaine question que je vous poserai. Donc, nous passons tout de suite à la deuxième manche, le menu. Alors, le menu, je vous explique les règles de cette manche. Elles sont très simples. Vous allez devoir choisir un thème pour les prochaines questions jusqu'à la question 10. Donc, c'est-à-dire pour les 5 prochaines questions. Il n'y aura pas de proposition. Ce sera à l'aide de vous-même et de votre cerveau que vous devrez trouver la réponse. À chaque mauvaise réponse, vous perdez 2 miams sur vos points, sur vos miams qui vous restent. Donc, c'est-à-dire qu'il vous en reste 13. Ça va être cocasse. Donc, est-ce que vous avez bien compris les règles? Ouais. Et eh ben, je vous annonce les menus. Donc, le premier menu que vous pouvez choisir, menu Barbie, soit menu Underground, ou soit menu Pulsar, détecteur d'ondes gravitationnelles, un menu que nous déconseillons à ceux qui ne regardent que les anges de la télé-réalité. Alors, je t'en prie. Quel menu vous allez choisir? Je peux faire lequel? Moi je m'en fous. Et ben on va prendre la B, enfin le Underground. Le menu Underground. Yes. Et ben c'est parti, on prend la B. Menu Underground. Est-ce que vous êtes prêt? Juste Kylian est en train de charger son ordi là. Ouais, mon ordi est en train de se décharger. C'est pas grave, on attend. Petit souci technique. Est-ce que c'est bon? C'est bon, parfait. Ok, c'est parti. Première question. À Londres, combien de lignes de métro portent le nom d'une reine? On a un nombre près ou pas? Je demande à la régie. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils ont une marge d'erreur? La régie. Alors, on peut être gentil, ils me disent que ça dépend de la marge. Donc en gros, c'est la régie, c'est la régie qui me dira dans l'oreillette si c'est accepté ou pas, votre réponse. J'ai aucune idée. Ok. Donc je vous répète la question. À Londres, combien de lignes de métro portent le nom d'une reine? Moi, j'irai 20. 20? Moi, je sais pas pourquoi 20. Ben, je t'en prie. Je valide la réponse. De toute façon, on pas autre choix. On va dire 20. Est-ce que c'est à votre dernier mot? Attends, mais est-ce qu'il y a eu 20 reines? Ah, très bonne question, ça. Parce que... Okay. Je sais pas s'il y en a autant. 10, c'est un chiffre acceptable. C'est quoi, on va dire 7. Allez, 8. 8? Allez, 8. 8. On va dire 8. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. 8. Est-ce que la régie vous valide cette réponse ou pas? Déjà, la réponse, c'était... 2. Il y a la reine Victoria et Elisabeth. Donc 20, on est large. Donc du coup, la régie ne peut pas vous la compter. Donc c'est une mauvaise réponse. Vous perdez 2 points. Donc vous êtes
Vous êtes à 11 points. Pourquoi mon ordi ne veut pas charger? Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question? Oui. Oui. C'est parti. Je vous la lis. À quel style de musique le sous-genre underground se rattache? Est-ce que vous voulez que je vous la relise? Ouais. Je répète. À quel style de musique le sous-genre underground se rattache? Oh là 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 là. Ouais. Ouais, c'est des questions assez faciles, ça. Ouais, c'est plutôt... Oui, vous avez pas pris une bonne plus facile, évidemment. Ouais, c'est sûr. C'est... Là. Là. Je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Du rap. Non, non, c'est pas... Le underground. Le hip-hop. Le hip-hop. Peut-être le hip-hop. C'est pas le hip-hop, je pense pas. Je sais pas... Ils sont compliqués vos questions. Ouais, franchement. Pas très cool avec vous. Eh ben, vous avez pas choisi le bon menu, hein. Bah, j'ai vraiment l'impression que depuis le début du jeu, on nous donne des questions compliquées. Hein. Parfois, il y a des questions bêtes aussi. Oui, bah oui, et puis on se fait avoir. Du coup, voilà. Je t'en prie, donne un style de musique. Dis le hip-hop. Le hip-hop. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. C'est un truc... Eh bah, c'est une mauvaise réponse. C'était la pop. Bon, on a la moitié de la réponse. Bien. On a la moitié de la réponse. Eh bah, on vous donne quand même la moitié des points. C'est-à-dire que... On vous enlève la moitié des points, c'est-à-dire que vous enlève que un point. On n'a même pas eu une bonne réponse, on a que des moitiés. Donc vous êtes à 10. Vous êtes à 10 points. Putain. Il y a des moments où on gagne. Non, pas forcément en tout cas. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine question? Oui, il le faut. Eh bien c'est parti, je vous la lis. Dans lequel de ces clips Michael Jackson sort-il de l'underground pour danser? Celle-là, elle est plutôt facile. Hein. J'ai même moi-même la réponse. Alors, moi, j'ai jamais écouté Michael Jackson. Il sort de l'underground. Pour danser, mais il danse à chaque fois. Oui, il danse tout le temps. Je connais pas le nom des clips. Mais t'as une idée en tête de Michael Jackson? C'est pas celui où il danse, c'est genre si, le sol, oui. Il s'éclaire. Mais j'y ai pensé, mais je sais plus comment elle s'appelle. Je sais pas. Est-ce que vous voulez que je vous relise la question? Ouais. Ouais, pourquoi pas. Je vous la lis. Dans lequel de ces clips Michael Jackson sort-il de l'underground pour danser? Ouais, je connais aucune musique de Michael. Alors, moi, j'hésite entre... Billie Jean? Billie Jean. Vas-y, bah, de toute façon, on met ça. Eh ben, on va dire Billie Jean. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Ouais. Eh ben, c'est encore une mauvaise réponse. La bonne réponse, c'était Thriller. Oh, bah, oui, bah aussi. J'avais sur le bout de la langue. On avait Michael Jackson, on avait... Du coup, je demande à la régie, est-ce qu'on leur enlève 2 points? Quand même. Du coup, oui, on vous enlève 2 points. Donc, du coup, vous êtes à 8 points. Ça descend vite, hein, quand même. Bon, et on passe à la prochaine question. La régie est drôle. Ah, ils sont drôles, mais les viewers ne l'entendent pas, donc... Bon. C'est dommage. est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine question? Oui. Ok, je vous la lis. Si Queen et David Bowie ne sont pas underground, ils sont under quoi? Mais même les questions sont complètement débiles, on va pas réussir à répondre. S'ils sont pas underground, ils sont pas. Mais c'est quoi underground? C'est pas la culture du ground.
Faut appeler la régisse. On a le droit d'appeler un ami. Ah, excuse. Oui, apparemment, vous avez le droit d'appeler un ami. Et la, sauf que l'appel à un ami, c'est le mec de la régie. Ah bah voilà. Moi puis la régie, je pense. Donc la régie. La régie, on a une question. Voilà. S'ils sont pas underground, ils sont quoi? Non, c'est pas ça la vraie question. Non, non, je vous relis la question. Ouais. Si Queen et David Bowie ne sont pas underground, ils sont under quoi? Oui, ben, bah, l'appel à un ami, il est où? L'appel à un ami. Ah putain, mais c'est ça. Mais parce que c'est drôle, en fait. Et puis nous, on n'avait pas d'humour. Nous, on n'a pas trop de talent. Alors, Under Pressure. On dirait Under Pressure. Est-ce que c'est votre dernier mot? On valide. Et eh bien, c'est une bonne réponse. Du coup, regardez, quand même, vous êtes à 8 points. Vous n'avez aucun point. La première vraie bonne réponse qu'on a, mais aidez un petit peu. J'espère appeler un ami, on ne peut pas plus quand même. Les réponses. Vous, c'est pour allez-y, buvez un coup. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière question de cette manche? Oui. C'est parti, je vous l'aide. Quel site historique trouve-t-on dans l'Underground de Paris? Tu veux dire quoi, underground? Un site historique dans l'underground de Paris. Yes, dans l'underground de Paris. Je sais pas ce que c'est l'underground. Bon, on dit un site historique de Paris. La régie, est-ce qu'on a le droit d'expliquer ce que c'est l'underground? Oui. Ouais, parce qu'on a commencé à choisir ça, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est pour ça que toutes les réponses depuis tout à l'heure, on dit ouais, super. Bon, normalement, si ma culture anglaise est bien dans ma tête, normalement, l'underground pour moi c'est en dessous. Une fosse de Paris, là, je sais pas quoi, des crânes et tout. C'est là où il y a des crânes. Les catacombes de Paris, exactement. Mais est-ce que c'est un site historique? Bah oui. Ouais. Bon alors, si on nous a dit en dessous, oui, en dessous. On miserait sur les catacombes de Paris. Est-ce que c'est votre dernier mot? On est à combien de points? Je vous rappelle que vous êtes à 8 points. Eh bien, on n'a qu'une seule vie, donc on bloque. On bloque les paroles. Okay. Vous bloquez les paroles, on n'est pas chez Nagui, hein, je vous rappelle. Donc, je vous relis la... question. Quel site historique trouve-t-on dans l'Underground de Paris? Vous m'avez répondu les catacombes. Et c'est une bonne réponse. Allez, enfin. Incroyable. Enfin, pour cette dernière manche, vous avez une bonne réponse. Donc, vous gardez vos points. Vous êtes toujours à 8 points. Et on passe à la dernière manche. Qui s'appelle sel ou poivre. C'est parti. Ok, easy. C'est... Ah ouais? Easy. Bon. Je vais faire ça. La régie est trop mal. Je vais vous expliquer les règles de cette manche, sel ou poivre. Est-ce que vous êtes bon, vous êtes concentré, vous allez devoir écouter. Ouais, on est concentré, merveilleux. Parce que celle-là, elle est quand même dure. Oh bien. Wow. Parce que vous allez... C'était censé être facile, finalement. Vous allez devoir choisir un thème pour les prochaines questions. Et vous aurez 30 secondes. J'ai bien dit 30 secondes maximum pour répondre à le plus de questions possible. Donc, c'est-à-dire, c'est un jeu de rapidité. Ok. Ok. Et j'ai une question à la régie par rapport aux points. Est-ce qu'ils gagnent des points s'ils ont une bonne réponse? Non, ils gagnent des points à un certain bonne réponse. Alors, si c'est la bonne réponse, ils gagnent 2 points. Sinon, ils perdent. Ok. Si vous gagnez des points, si vous avez des bonnes réponses, si vous avez une bonne réponse, vous gagnez 2 points par bonne réponse. Si vous n'avez pas de bonne réponse, vous n'en perdez pas. Vous restez là où vous êtes. Donc, vous ne perdez rien. Donc, est-ce que vous avez bien compris?
Oui. Alors, pour cette avant-dernière manche, quel thème allez-vous choisir? Je vous les lis. Ah, on me dit qu'ils ne choisissent pas, ok. D'accord, donc le thème que vous devez avoir, du coup, excusez-moi, c'est nazi, NASA, ou les deux. En gros, je vais vous poser une question, vous devez répondre soit nazi, soit NASA, ou soit les deux, donc nazi-NASA. Ok, je vais répondre que les conneries. Ok. Donc, concentrez-vous, c'est quelque chose de... c'est de la rapidité, tout simplement. Donc, est-ce que la régie est prête pour nous lancer le chrono de 30 secondes? Est-ce que la régie est prête pour nous lancer les 30 secondes? Dès que je dis top, c'est parti. Donc, est-ce que vous êtes prêts, vous deux? Oui. Oui, Rémi. Top! Hitler! Nazi! Invention des autoroutes! Nazi! Ils ont des fusées! NASA! C'est perdu, c'était les deux! Travaille à la NASA! NASA? NASA? Ils ont marché sur la Lune! NASA? Ils ont choisi le train. Les deux. Ah non, ben non, nazi. Bon, veulent coloniser l'espace. NASA. Exterminate. Nazi. En concurrence avec les Russes, inventeurs de la fusée V2. Ah, c'est terminé. Les deux, j'en ai les deux. Ah ben non, NASA. Ça fait déjà 30 secondes. Non, ça passe. Ça fait déjà 30 secondes, c'est passé très vite. Donc, vous avez 6 bonnes réponses. Ah. On me dit dans la lettre qu'on va faire 5 bonnes réponses et qu'on vous accorde les points. Donc ça vous fait 10 points en plus. Ouais, on a revu, mais ça fait pas beaucoup quand même. Si. Donc la régie, est-ce qu'on est prêt pour passer Ah ok, donc on passe au prochain thème, qui est Jeff Bezos, Dr. Evil, ou les deux. Qui Dr. Evil? Je sais pas, mais Bezos, je sais qui c'est. Ouais. Alors, on m'informe que Dr. Evil, c'est le méchant. Dans le film. Dans le film de Sid Power. Ok, Sid Power, tu l'as vu? Bon, on va l'appeler le méchant. Au niveau talent. Bezos, le méchant. Le méchant, ok. Est-ce que vous êtes. Il y a les deux. Est-ce que. Pardon? Oui, il y a les deux. Ok, ouais. Il y a les deux aussi. Dans Bezos, il y a les deux aussi, c'est pareil. C'est Jeff Bezos ou Dr. Evil ou les deux. Qui c'est Bezos? Oui, c'est... Bezos, c'est le méchant. Oui, ah, Jeff Bezos. Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon. Et Dr. Evil, c'est le méchant. En fait, apparemment, c'est qu'ils se ressemblent. Donc, voilà. C'est pour ça. Ah, peut-être ça va être des trucs sur le physique encore. La discrimination. Est-ce que vous êtes prêts, vous deux? Oui. Bah, oui. Et bah alors, top! Veut dominer le monde. Méchant. Possède Amazon. Bezos. Espionne les gens. Les deux. Les deux, ouais. Affronte Austin Power. Méchant. Mais je suis Dr. Evil. Oula, on n'a pas. Vous êtes pas d'accord là. Mais le méchant, ouais. Ouais, okay. Méchant. Est allé dans un late show. Les deux. Je sais pas ce que c'est un late show. A une tête de méchant. Les deux. Et prêté de thunes. Et pété de thunes, pardon. Les deux. Ah, c'est fini. La régie, ils ont combien de bonnes réponses? 4 bonnes réponses, vous n'avez pas les points. Ah, on me dit que vous avez 2 points en plus tout à l'heure, donc ce qui vous fait que vous êtes monté à 10 miams. Oui, okay. Donc, voici... le nouveau thème, je vous le dis. Cyril Hanouna, Kim Jong-un, ou les deux? Ok. Cyril Hanouna, Kim Jong-un, ou les deux? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. C'est parti, c'est toujours 30 secondes, le plus de réponses possible. Top! Ses fans sont prêts à tout pour le défendre. Les deux. Les deux. Drôle! Cyril Hanouna. Aucun. Il a les pleins pouvoirs d'une chaîne de télé. Les deux. Ouais, les deux. Il met des coups de pression par téléphone. Les deux. Les deux. À un cerveau. Les deux. Ouais, bof. Hein. Rigole de trop. Cyril Hanouna. Il humilie ses collaborateurs.
Les deux? Non, Kim Jong-un. Mais non, mais souffre du culte de la personnalité. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Aime les bombes atomiques. Oui. C'est parti, encore 30 secondes. Top, c'est du poulet. KFC. Poutine y travaille. KGB. Giscard d'Estaing. Vivant. Vivant. Zombie. Pas pour longtemps. Les deux. David Suchet. Mort. Les membres du groupe Queen. Mort. Je sais pas s'il reste. Vampire. Vivant. Ouais, vivant. Mort en soi. Hitler. Mort. Mort. La mame. Mort. La mamie. Bah, vivant. Ouais, c'est vivant, mais c'était fini. On m'a dit dans l'oreille. Et bah, c'est fini. Ça dépend pour qui. 5 bonnes réponses. Ah, 5 bonnes réponses. Ça vous fait plus de points, du coup. Yes. Donc, vous êtes à 16e. Donc, c'était le dernier thème. Donc, je vous rappelle que tout à l'heure, les vous viewers, vous avez répondu à la question. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Réponse A, Jonathan. Réponse B, un chien mort. Et bien sûr, la bonne réponse était la réponse A, Jonathan. Elle n'était pas difficile, évidemment. Mais voici une nouvelle question. Comment appelle-t-on un bâton qui ne revient pas? Réponse A, Jonathan. Ou réponse B, un chien mort. Écrivez votre proposition dans le chat et je vous donnerai la réponse juste à la fin de la prochaine manche. Et voici la finale, le croûton de la mort. C'est parti. Donc le croûton de la mort, je vais vous expliquer les règles de cette finale. Je vais vous poser 10 questions, mais vous devrez répondre dans l'ordre aux 10 questions, juste après que j'ai fini de vous les lire. Et donc il va falloir que vous vous concentrez et que vous ayez de la mémoire. Mais je vous rassure, si votre réponse est fausse, mais qu'elle reste cohérente avec la question, je vous l'accorde. Et bien sûr, là par contre, ça sera une seule personne qui jouera, donc mettez-vous d'accord sur laquelle de vous deux va jouer à la finale le croûton de la mort. Mais je préfère que tu le fasses. Ouais. Est-ce que tu es prêt à le faire? Non. On fait au talent, vas-y. Ouais, je le fais. Je vais y arriver. Ok. Non, j'ai une bonne mémoire. Du coup, est-ce que tu as bien compris les règles de cette finale? Ouais. Donc du coup, je vais te poser les 10 questions dans l'ordre. Et après, tu devras répondre aux 10 questions juste après que je t'ai posé toutes les questions. Donc, c'est de la mémoire. Ouais. Et je te rappelle que si une de tes réponses est fausse mais qu'elle est cohérente avec la question, je te l'accorde. Ok. C'est clair? Ouais. Thomas, d'avoir participé à Qui veut gagner des croutons, pardon. Et tout de suite, on passe au jeu des smileys. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a le premier smiley? Alors, il y a un rond bleu. Avec sorte de petit extraterrestre. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Vous écrivez en bas dans les commentaires. Dans le chat de YouTube, vous me dites votre réponse et on va voir si c'est la bonne ou la mauvaise. Avatar, oui, c'est totalement ça, bonne réponse Avatar. Alors, c'est tout
totalement ça, Avatar. On passe au prochain, Smiley. Alors normalement vous voyez afficher une fourmi et un bonhomme en monsieur. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Je vous rappelle, vous donnez votre réponse juste en bas dans le chat. On entend la claque. Dans le chat YouTube. Après, c'est le débat sur le salaire universel présenté par Benoît. C'est totalement ça. Bien joué, c'est Jumanji. Bien joué à toi, RBT. Du coup, pour passer au débat. Oui. Ok, on en refait un dernier juste avant le débat. C'est parti. Ok, bon, alors en fait, j'ai fait un temps d'humour, mais maintenant qu'on met la responsabilité sur le dos, je vais un peu genre faire. Ah, tout le monde a l'esquive. Ouais, effectivement, ouais. J'ai soif d'aventure pour ceux qui ont faim de liberté. Je suis le gardien de valeurs qui n'ont pas de prix. Toujours solidaire. Jamais solitaire. Je reste en éveil pour que vous dormiez en paix. Je veux être le nouveau souffle, juste après la tempête. Toujours debout. J'avance pour faire reculer la peur. Ici. Ailleurs. Et plus loin encore. J'irai toujours de l'avant. Pour que les hommes ne reculent jamais. L'armée de terre recrute 15 000 soldats. S'engager.fr. Votre volonté, notre fierté. Bienvenue sur ce live. Bon, on a eu quelques problèmes, mais maintenant on est en direct. Merci de nous avoir rejoint pour ce débat. Avec nous, nous avons trois invités qui sont là pour parler du revenu universel. Alors, je vous laisse vous présenter. Je commence. Ça marche pas. Vas-y. Vas-y, mec. C'est toujours Jean, toujours là. Toujours les fins fonds du 59, on se retrouve en 86. Et ravi de pouvoir faire ce débat. C'est un sujet qui va être intéressant parce que la France et les taxes, c'est une grande histoire d'amour. Donc, même les subventions, pareil. Donc, ça va être un débat intéressant et hâte de le faire avec vous, les gars, ça va être sympa. Okay. Et ensuite, nous avons. Tu veux y aller, Alex, ou pas? Vas-y, j'y vais. C'est Alex. Alex qui était là aussi la semaine dernière avec Jean. Et du coup, je viens. Du coup. Ouais. Excusez-moi, là, c'est bon, je vous ai repris. Nickel. Un sous-citoyen, sèche-le.
Bah c'est très triste, je ne pourrais donc pas participer à ce débat. Ah t'as tout compris. Donc en fait je vais rester genre en mode ombre dans le turfu qui sera là en train d'écouter et faire. Ah yes. Parce que du coup c'est peut-être intéressant de pouvoir discuter avec les gens qui sont sur live non, aussi. Ouais, oui, bah, il y en a 6 mais en fait le problème c'est que le live bug donc... Ouais on a quelques problèmes. Oui je t'entends ouais. Et est-ce que je l'ai eu? Oui vous l'avez eu 3 fois. Ah bah super, en fait j'ai Alzheimer donc j'oublie tout ce que je fais. Ah mais écoutez monsieur ça change tout, vous êtes embauché. Ah merci monsieur. Vous êtes pour l'équipe. Merci. Écoutez monsieur je vais vous présenter l'écho, vous allez pouvoir... Faites plutôt confiance à de vraies informations. Au télé. Merci. Le problème semble être réglé. Je pense qu'on... Voilà, on va directement se lancer dans le sujet. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait commencer et me donner une définition pour vous du revenu universel? Alors, nous avons une personne en vocal. Voilà, mais pas de caméra. C'est moi apparemment, mais du coup je sais pas si les gens seront capables de m'entendre. Oui, tu peux me rappeler ton prénom s'il te plaît? Moi c'est Arthur. Arthur, très bien. Donc nous avons Arthur, Jean et... Alex. Excuse-moi. Alexandre, voilà, c'est ça. Ok. Ah, oh, je te sens double ma gueule. Du coup, je m'appelle Alex. Alex, ah, c'est très bien, excuse-moi, je pensais que c'était un... Ouch. Ah oh, putain. Ouais. Ok, excuse-moi. Malgré la censure... Oh putain, sérieusement, incroyable. C'est dommage, j'aimerais bien être sur le live aussi. Comment est-ce qu'on fait cette magie noire? Bah la prochaine fois, tu te connectes depuis ton téléphone et tu t'actives. Oui mais on t'entend quand même. T'as pas de caméra, c'est ça? Non, j'ai pas de webcam. Ah merde. C'est pas grave. Du coup, voilà, je répète, qu'est-ce que quelqu'un voudrait commencer? Ah non, on est pas reparti. Oh putain. Putain, mais ce live il est maudit. Arthur, je pense que c'est de ta faute. Ouais, honnêtement. Arthur, t'attires le shaitan, c'est pas possible. Non, mais c'est ça parce que vu que j'ai une. Ok. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, en effet. C'est bon? Ok, très bien. Du coup, je répète ma question. Est-ce que quelqu'un, l'un d'entre vous. Quand on est mute. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me donner une définition? En fait, quand je suis là, j'ai vraiment l'impression qu'on entend rien en fait. On nous parle, mais quand on entend pas, ouais. Écoute, alors oui. Ah, non. Alors bah, maintenant, oui. Oui, oui. Ok. Ah, ok, super. Ah merde, merci. Ah, d'accord, ok. Ah, bah voilà. Ok, donc apparemment, la régie nous indique que. Censuré. Si il mute la régie, bravo. Il me mute moi aussi, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, bon, le problème est réglé du coup. Alors, du coup, je répète encore une fois ma question pour la troisième fois, ou la quatrième, voilà. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait me donner une définition du revenu universel? Je crois Alex, il a l'air engagé sur le sujet, donc ouais. C'est comme ça. Très bien, bah Alex, commence. Ben, du coup, le revenu universel, c'est... C'est un revenu qui est à la fois du coup inconditionnel, donc c'est-à-dire que c'est pour tous les citoyens à partir de 18 ans, indépendant du salaire et des autres revenus. Du coup. Donc ça s'étale généralement entre 400 et 750 euros. Et c'est pas à confondre, du coup, il y a deux grands courants de revenus universels. Il y a le courant plutôt de droite qui viserait à réunir toutes les allocations dans une seule allocation universelle qui serait versée à tous, et le revenu universel du coup de gauche que je défends qui vise à... Je pose la question puis après je donnerai le lien après parce que de toute façon voilà. Mais où est-ce qu'on ferait, comment on ferait, où est-ce qu'on irait trouver l'argent en fait? Parce que c'est une somme d'argent considérable. On est sur 68 millions de Français. Même 500 euros à 68 millions de Français, ça donne une somme colossale. Donc, où est-ce qu'on va le faire? 300 milliards. Ouais. Non. Mais c'est... Oui. Sachant que le PIB de la France, c'est 2 milliards 300... Ouais, c'est ça. 2 milliards 300 milliards. 2 700 milliards d'euros de PIB. On a augmenté.
propre. Mais ça, c'est les le PIB, c'est pas vraiment ce qu'on utilise pour mesurer du coup. Ouais, mais c'est ce qu'on. Les États, ouais. Etc. C'est pour donner un ordre. De... Ouais. Ah oui, non, mais 300 milliards, c'est absolument considérable. Hein. Mais du coup, pour le financement, il y aurait deux vannes. Donc, une première vanne qui pourrait être celle, tout simplement, de commencer à réfléchir aux impôts et aux en vigueur et ou à mettre en place. On a des choses contre lesquelles déjà ces jeux de choses comme le revenu universel du coup s'inscrirait dans la problématique écologiste puisque en découplant les revenus du travail on permet de travailler moins et de produire moins et donc de moins polluer de moins générer d'argent aussi bah oui du coup on a besoin d'argent. Oui, mais ça c'est pas un souci. Parce que le souci étant si que... Non, c'est pas un souci si on commence à capter l'argent autre part. Parce que tu taxes... Ouais, mais le truc, c'est que... On taxe les GAFAM et on taxe le patrimoine. Si on réalloue beaucoup plus l'argent, on a de l'argent. L'argent, il est là. Ouais, mais le problème, c'est que en France, on est déjà un pays extrêmement taxé. On est déjà... Ouais, parce que, et encore, il n'y a que 45% des Français qui payent des impôts. Et les 80 milliards de fraude pour aller chercher, ça va être la galère parce que tu n'empêcheras jamais quelqu'un qui a de l'argent d'aller le planquer. Parce que ce qui est dramatique, c'est qu'il trouvera toujours un moyen de le faire. Et le problème, c'est que si tu fais cet argent pour que les gens travaillent moins, tu files ces 300 milliards pour augmenter plus d'argent pour pouvoir le financer plus facilement. C'est-à-dire que t'endetter au début pour avoir un retour sur investissement au moment. Si tu mets les 300 milliards à perte, en fait, ça veut dire que dans l'avenir, plus ça va aller, plus il va falloir taxer pour payer les 300 milliards. Un État n'est pas obligé d'être rentable. C'est ça la principale caractéristique. Ouais, mais à un moment, l'argent. État n'est pas une entreprise. Il n'a pas besoin de. Oui, ouais, mais quand les hôpitaux vont encore plus fermer, les écoles vont encore plus fermer, la fonction publique va s'écrouler parce qu'on n'aura plus d'argent. On va avoir la con, là, d'un coup. Bien sûr que non, parce que ton argent, il ne va pas aller juste dans les poches des épargnants. Il va être consommé. Ça, ouais, mais le truc, justement, c'est que les 300 milliards, c'est qu'il faut les trouver. Le but voudrait que, du coup, les gens continuent de travailler, ils ont ce pouvoir d'achat en plus, ils réinvestissent dans la consommation, ça revient et ça refait fleurir l'économie. Le truc étant que si on se dit, on file 300 milliards pour que les gens arrêtent de bosser, enfin, bossent moins, le problème étant, c'est que tu génères beaucoup moins d'argent et plus ça va aller, plus ça va être dur de financer les 300 milliards. Et plus il va falloir aller chercher dans les tréfonds des... Je sais pas ce qu'on pense. Cette mesure de l'impôt. Continuez pour l'instant. Cette mesure de revenu universel, elle est obligatoirement accompagnée d'une redistribution beaucoup plus forte des richesses. Les inégalités en France sont en augmentation constante. Donc, c'est un non-sens. Surtout que. En plus, le but, c'est évidemment que les gens travaillent moins. Parce que le but, ce n'est pas avoir une croissance folle et une économie beaucoup plus forte. L'économie beaucoup plus forte, ça veut dire beaucoup plus de production, notamment de production industrielle, etc. Or, pour la problématique écologiste, c'est un peu un non-sens. Tu ne peux pas faire de l'écologie en disant de produire plus et en allant plus pour faire fonctionner les usines. Il va falloir faire un choix parce qu'il n'y a pas de monde où tout est génial, où tout le monde est riche, on respecte la planète et l'argent, on le trouve chez les méchants riches parce qu'à un moment, tu vas tellement tout épuiser que tu ne vas plus rien trouver et ça va être l'effondrement massif. C'est-à-dire qu'il faut faire un choix, mais tu ne peux pas défendre L'économie, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas l'argent circule, l'argent va tourner. Non, mais oui, justement, l'argent génère l'argent, mais si tu passes à prendre l'argent, à le redistribuer. Vas-y, pardon. Benoît. Non, j'aurais une question justement pour toi, Alex. On est quand même un gros pays importateur. Donc tout le monde sait d'où on importe la plupart de nos produits. Il faudrait d'abord régler ça, finalement. Sinon, l'argent n'est pas en France, d'accord. Finalement. Ouais, je suis assez d'accord. La France est un pays importeur de marchandises. Par contre, elle exporte beaucoup ses capitaux, notamment vers l'Union européenne et
la France exporte énormément vers le marché commun et fonctionne un peu en vase clos beaucoup avec le marché européen, même si du coup, avec notamment le Vietnam, avec les pays d'Amérique du Sud, le commerce s'internationalise et bien sûr avec la Chine. Mais du coup, puisque la problématique elle est de moins produire, elle est aussi du coup de produire local pour D'accord, donc vous voulez faire reproduire en France, voilà, de partir dans un sortir un peu. Ouais, mais le problème c'est que tu produis moins en France en disant aux gens on vous donne cet argent pour moins travailler. Justement, si tu dis aux Français travaille au moins, tu produiras beaucoup moins. Je pense personnellement qu'en fait le truc ce serait pas de chercher à produire moins, mais surtout à produire mieux, à avoir une production qui est plus responsable, plus locale, de la meilleure qualité, et en fait justement aussi essayer de changer les morales de notre société pour en fait inciter beaucoup plus à la consommation, mais locale, genre ne pas aller acheter, tu vois, genre chaque jour de la mauvaise viande, tu vois, des trucs comme ça. Aller une fois par semaine, chez ton artisan boucher, quelque chose comme ça, et acheter de la viande de qualité qui fournit de l'argent à un agriculteur et aussi à un artisan. Pour ça, il faut plusieurs choses. Des réglementations pour limiter le libre-échange international. Parce que ça, c'est les transports en bateau, les transports en camion, c'est ce qui pollue, dans les choses qui polluent le plus. Et aussi, il faut de l'argent. Parce que lorsqu'on n'a pas des revenus suffisants, ça va être compliqué d'acheter chez ton boucher local parce que forcément, il coûte plus cher. Il faudrait adapter notre société. La dette, c'est pas un problème. Tu rigoles, mais du coup, on est un peu à la merci en fait d'États qui sont totalement opposés aux idéologies que tu cherches à faire passer. Le Qatar, ils sont pas très chers. Cette dette, on les a aux Qataris et à l'Arabie Saoudite. Franchement, je pense que c'est bien les gens qui s'amusent avec l'écologie, c'est eux. Donc en augmentant notre dette, en fait, on peut pas faire autre chose que devenir plus vulnérable envers ces personnes. Ouais. Je pense que le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est de prendre une certaine indépendance et de prouver qu'on peut réussir avec un modèle économique qui serait bien plus local et responsable. Donc pour toi, le revenu universel devrait venir après déjà un retravail sur notre production en France. Oui, c'est ça. Il faudrait en fait adapter notre production aujourd'hui. Donc c'est pas une priorité pour toi du coup. C'est littéralement avec l'étranger, parce que aujourd'hui on utilise de la viande notamment énormément importée d'Amérique du Sud, où c'est des boucheries mais inacceptables, où il y a de la viande de mauvaise qualité. C'est pareil en Chine, on fait venir des choses en Chine mais qui sont inacceptables, et tout simplement parce que ça produit moins cher avec des normes qu'on n'a pas en France. Il faut stopper ça. Il faut notamment, je pense, mettre un boycotter de manière aussi bien de manière légale mais aussi citoyenne, c'est-à-dire ne pas faire quelque chose parce que ça coûte moins cher. À un moment, si on souhaite quelque chose, il faut agir pour. Parce que c'est bien gentil de faire des lois, mais... Ouais. Et à la limite, le truc qui est cool avec le revenu universel, c'est que à la limite, si tu crées dans ce cadre-là, ce serait un peu pas en monnaie d'échange, mais en disant bah, tenez, on vous donne ça, mais par contre, il y a un truc derrière, c'est que vous le réinvestissez chez nous, quoi. C'est-à-dire que vous allez. Parce que les agriculteurs qui crèvent de faim et compagnie, ça fait un peu peur. Si on fait ça, ça va donner. Si on fait ça juste en disant aux gens de réinvestir chez nous, ça va faire comme sous Mitterrand, où du coup, il y avait une politique de relance qui n'était pas forcément mauvaise dans l'idée. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a profité aux pays émergents, qui du coup avaient des usines et qui vendaient les choses moins chères. Si on n'impose pas des règles sur la consommation et qu'on n'aide pas des gens à mieux consommer, en leur proposant par exemple un revenu universel, la transition écologique ne se fera pas. Mais c'est ce que j'ai dit. Je pense que plutôt, en fait, au lieu de genre donner le truc de base puis ensuite réguler comment on le dépense, je pense qu'en fait il faudrait déjà le donner avec certaines conditions, justement. Oui, c'est ça. Genre donner le revenu universel et l'augmenter en fonction de la consommation que l'individu présente. S'il le présente une. Ah, tu veux dire à l'individuel ? Bah oui, justement, ce serait ça qui serait intéressant, parce que justement on pourrait montrer aux gens que c'est possible, justement, et avec l'aide de l'État, ce serait totalement possible d'aller dans une consommation responsable. Et lorsque ces gens font cette démarche, qui s'alignerait donc avec une démarche écologique et responsable,
l'État pourrait les aider en finançant justement avec le fameux revenu universel, qui serait pas du coup vraiment revenu universel, mais qui au final ce serait bien plus avantageux pour tout le monde de faire comme ça. Universel adaptable quoi. Mais ouais, remarque, revenu universel, ça peut ne pas vouloir dire sans condition non plus, parce que du coup je me suis renseigné avant le live, et il y a beaucoup, comment dire, de désaccords sur les conditions qu'on pourrait ajouter à un revenu universel, et en fait tu te rends compte que ça pourrait englober un truc extrêmement large. Donc, quelque part, ça pourrait marcher, je pense. La définition du revenu universel, elle va du salaire à vie de Bernard Friot, qui du coup le pousse, à les trucs libéraux. Donc, effectivement, il y a des définitions qui sont extrêmement larges. On a vu, par exemple, pour la mise en place de ce revenu universel, des propositions qui avaient été faites, qui peuvent encore et toujours être discutées d'ailleurs, sur un échelonnement en fonction du salaire, enfin du revenu, des revenus autres, qui pourrait être une solution si jamais... On revient à la technologie. Oui, c'est ça. J'allais dire, je sais pas ce que c'est, ouais. F3, donc vas-y. Bon retour sur le live. Encore une fois, on a eu des coupures, c'est... Voilà. Mais on est reparti maintenant. Excusez-nous encore. Alors du coup, à cause de ce problème, je suis un peu sorti du débat. Qui est en train de parler Si tu veux, vas-y, repose une question pour relancer. Oui. Est-ce que... Vous m'entendez? Ah ouais, tranquille. Ouais. D'accord, Oui, enfin, il y a marqué déconnecté sur Discord, mais ça a l'air d'être bon. Ok, super. Alors du coup, je repose ma question. Est-ce que vous pensez pas que... Vous parlez de production et recentrer la production en France pour permettre d'avoir de garder cet argent-là. Mais vous pensez pas que le fait de donner un salaire, un revenu, pousserait les classes populaires à justement ne pas travailler, voilà, tout simplement. Mmh. Et c'est pour que pour éviter ça, il faudrait donner... C'est moche de le dire comme ça, mais des conditions justement pour accéder à un revenu universel qui serait du coup en fait à échelon. Plus on consomme dans quelque chose qui va dans une optique nationale, une optique d'unité qui serait donc qui favoriserait la vie à tous, si quelqu'un se comporte de ce genre de personne, ça ne voulait rien dire, mais on va rien dire. Si quelqu'un se comporte comme ça, c'est totalement à notre avantage et c'est bien pour tous. Du coup, il faudrait justement par le biais d'un. Ah, je fais ce que je peux. Bonjour. Je fais ce que je peux. Ouais, je t'entends, mec. C'est putain, t'as eu de la chance, mec. Hein. Là, je souffre, là. Franchement, là, je sens juste. Désolé de le dire comme ça, mais je sens juste du mépris pour les artistes, là. Ah non, pas du tout. Mais non, c'est pas ça. Est-ce que vous m'entendez? C'est qu'un artiste. Non, mais c'est... Oui, on t'entend. D'accord, parce que c'est comme un artiste. Un artiste, c'est comme un valeur. C'est un peu déplacé, quand même. Oui, mais le problème, c'est qu'un artiste qui a réussi, il peut faire passer des messages à travers sa peinture et tout. S'il est tout en haut, il a réussi. Mais le reste, qu'est-ce que ça a à nous faire de la même manière qu'un sportif? À ce moment-là, si tu dis suffit d'être artiste pour avoir de l'argent, tout le monde voudrait être artiste, c'est-à-dire que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu fasses quelque chose qui plaise ou que tu fasses quelque chose qui sert à l'argent. Moi, j'ai envie de dire, un artiste, un sportif, n'importe qui s'engage dans ces professions de ceci-là, il sait qu'il ne rencontrera peut-être pas le sujet. On va passer en 4G, je pense que ça va aider. Je ne suis même pas sûr qu'on soit toujours en live, donc. Oui, voilà, ça je le sentais bien. Et je sentais un peu de tension là qui monte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me confirmer? D'accord, ouais, j'imagine. Un artiste qui crée pas de revenus. Oui, hobby, c'est ça, je veux dire. C'est quelque chose de culturel et de purement philosophique. Excusez-moi les gars, est-ce que vous m'entendez? On me dit à la régie. Je crois qu'il y a une pause de patte de la part d'Alex. Oui, il est parti. En tout cas, nous sommes. Ouais. Nous avons repris le direct, voilà. Oui, c'est ça. Donc maintenant, on a la 4G. Les problèmes devraient disparaître. Voilà. Espérons-le, en tout cas. J'ai entendu une de vos discussions pendant la coupure. On va peut-être ne pas attendre Alex et continuer. vous nous parliez des artistes.
par exemple, des créateurs de... étant donné que c'est le parti, si tu veux, c'est bon, c'est un peu d'ascension. Bah, si tu veux, on peut t'exposer notre... Oui, voilà. C'est-à-dire que pour le live Alex défendait l'idée que cet argent devait aussi beaucoup servir dans l'art, et notamment les artistes qui gagnaient pas assez bien leur vie. Et Arthur et moi, on défend un point de vue qui dit que un artiste, d'ailleurs ça inclut même les sportifs, hein, qui sa passion en fait, jeunes artistes, d'accord, à des jeunes créateurs de contenu, à des jeunes sportifs en devenir. Il y a quand même un manque de visibilité. Mais le problème étant que je suis pour qu'on finance leur visibilité. Je suis pas pour qu'on finance leur travail tant que ils ont pas. C'est dans tout le monde que ça se paie, le revenu universel. Donc quelqu'un qui ne contribue en rien en groupe. Bah honnêtement, le CNC, moi j'aimerais bien qu'il sache un peu investir l'argent qu'on lui donne, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'argent qui se perd. Ouais, ce qui est dommage, parce que quand je vois qu'on donne 60 000 euros à Cyprien, je pense pas que ce soit Cyprien qui ait besoin de 60 000 euros. Je pense qu'on devrait l'investir dans la visibilité de plus petits gens. Je n'avais pas mon avis. Personnellement, qu'il y a beaucoup de temps d'argent par rapport à la personne et pas au truc en général. C'est assez dommage. La production vidéo, ça coûte une fortune quand même. Hein. Et Cyprien, Le truc, c'est que Cyprien, il a 13 millions d'abonnés. Je pense pas que ce soit le plus grand mec en manque de financement. C'est ça, oui. Parce que bon, donner de l'argent à Cyprien, je pense que... mais non, voilà. C'est carte un peu eu débat. Mais après, je persiste et signe à dire que tout art à la même manière. L'investissement du truc. Non, c'est toujours le même débat. C'est le même débat de savoir qui est-ce qui va être financé, qui est-ce qui va pouvoir tout simplement profiter de ce revenu et pouvoir vivre en pratiquant ce qu'il a envie. Parce que en soi, dans ce cas-là, mec, c'est bien beau, c'est bien beau de vivre de ce dont on a envie. Oui, c'est le truc étant que les gens peuvent faire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Parce que on n'est pas dans le monde des bisounours, quoi. Oui, parce que dans ce cas-là, moi, je suis désolé, j'ai envie d'aller à l'université, je m'appelle artiste, je prends le bain des vies. Je me mets un mur en train de boire. Jusqu'à ce qu'on le fasse, c'est impossible. Bah non, mais le truc, c'est que moi, dans ce cas-là, je vais mettre à me filmer en train de boire. Je vais dire, bah ça, c'est ma vie, c'est comme ça que je veux travailler. Ça marche pas, tu vois. Bah si tu veux. Mais tu ne produis rien. C'est une question de production. Mais en fait, la production, c'est pas seulement quelque chose, une donnée économique. C'est avant tout donner et rendre service à la société qui t'empêche de te faire vivre. Les gens qui ne foutront rien et qui n'iront pas travailler sont extrêmement minoritaires. Pourquoi ? Parce que le travail, ce n'est pas seulement le revenu. C'est aussi une énorme instance de socialisation, une instance de découverte de personnes. Et le travail associatif et productif est effectivement exactement aussi. Donc, de fait, les gens n'arrêteront pas de travailler. C'est faux. Mais ça d'accord. On peut prendre l'exemple de la ville de Grande-Synthe. L'exemple de la ville de Grande-Synthe. La ville de Grande-Synthe a mis en place le revenu universel. Or, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les gens ont perçu un certain montant, il me semble que c'était environ de 450 euros. Et ben le chômage a reculé. Juste une question. Mais ça, on est d'accord. Là, on parle Les gens sont allés travailler. Parce que C'est quoi le nom de la ville ? Je peux savoir. C'est quoi le nom de la ville ? Ça m'intéresse. Grande-Synthe. Grande-Synthe. Je rigole si c'est les Balkans. Grande-Synthe, il me semble. J'ai que les trois dernières lettres et ça risque pas de m'aider. Désolé. Hein. Grande-Synthe. Synthe. Il me semble. Ouais, mais justement, du coup, pour revenir à ce débat, moi, c'est totalement ça que je défends. Mais si on me dit que le travail de quelqu'un, c'est de faire art qui, même avec de la visibilité, ne plaît à personne, ne suscite aucune émotion et ne fait rien, en fait. Tu vois, typiquement, pour moi, ce mec-là, bah, il ne travaille pas, en fait. C'est-à-dire que c'est son hobby, ça le passionne peut-être, ça lui fait peut-être un grand bien émotionnel et c'est très bien pour lui. Mais tant que ça ne rencontre aucun succès et que, entre guillemets, c'est terrible à dire, mais ça ne sert à rien, bah écoute, ça restera dans ton cadre privé, mais tu peux pas appeler ça un métier. Oui, dans ce cas-là, en fait, derrière, cette contribution se fait. Toulouse-Lautrec, par exemple, était une merde. Enfin, ne produisait rien, ne servait à rien, Toulouse-Lautrec. Puisque Toulouse-Lautrec, pendant sa vie. Ça bug, je comprends rien, ça bug. Oui. Toulouse-Lautrec, le peintre, si on suit ce que tu dis, il a eu une vie terrible, il a passé sa vie, il dormait dans des bordels, etc. Et il n'a pas rencontré le succès. Pareil pour lui, mais écoute.
Et pourtant, tu vas pas dire que Van Gogh, c'était pas un peintre qui... Bah non, totalement. Mais il a rencontré du succès qu'après lui. Il a rencontré du succès qu'après lui. Donc c'est très bien si la personne rencontre du succès 200 ans après parce que les gens découvrent qu'il avait un génie fou, ou 50 ans après. Mais tant qu'aujourd'hui, les gens... Et si ça marche dans 60 ans, ça marche dans 60 ans. Bah non, le truc qui se passe, c'est que là, ton peintre qui va... Ouais, mais ton artiste qui, du coup, ne va rien faire, c'est-à-dire qu'il va toucher ton salaire universel, qui sera payé par ceux qui travaillent, du coup. Et en échange, il va, entre guillemets, rien participer à la société. Peut-être dans 60 ans, alors très bien pour lui, mais là, il va rien participer à ta société. Dans ce cas-là, tu fais pas vivre dignement tout le monde. Tu surtaxes une partie pour que d'autres soient privilégiés. Oui, et je pense pas que le but, dans un truc égalitaire comme le salaire universel, c'est de créer une caste de privilégiés qui ne paye pas d'impôts et qui prend tout. Privilégié. Ou alors à ce moment-là, tu lui donnes moins de trucs. Il n'y aura pas de caste de privilégiés puisque. Bah si, tu vas rien payer ton artiste. Vrai, tout le monde ne va pas se lancer en artiste. Alors honnêtement, si ce que tu me racontes. On n'en sait rien. Privilège est une, je pense, une notion très volatile. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a 3 siècles, tu collais une banane avec du ruban adhésif à un mur, on n'appelait pas ça de l'art. Donc, ça veut dire que moi, je peux m'appeler artiste, coller des bananes au mur avec du ruban adhésif et percevoir, du coup, les taxes. Ouais, tu grossis beaucoup de gens. Et ça, c'est important de faire une distinction entre une certaine catégorie de personnes et entre. C'est faire une distinction entre. Attends, il y a Benoît qui veut parler. Non, mais je voulais juste dire que. En faisant un jugement de valeur. Le fait de se lancer dans l'art, ah, merde. Ça reste toujours un risque en fait. Ça, voilà, on prend toujours un risque finalement. Donc. Ça se comment? Vous m'entendez? Oui, ouais, totalement. D'accord. Mais si ce risque il n'est pas payant, on est désolé pour toi, mais voilà quoi. Oui, mais c'est ça. Je pense que ça devrait être un chemin conscient. Tu peux pas prendre ce risque. Exactement. Et si ça paye pas, venir te plaindre après. Les gens le savent, dire personne les a forcés à faire ça. T'as préféré prendre le risque de pouvoir t'exprimer de manière artistique. C'est honorable, moi je t'applaudis. C'est ça, c'est honorable, mais du coup, si tu perds le pari, tu peux pas venir te plaindre. Parce que t'as eu le courage de le prendre. Voilà. Mais justement, c'est le principe de. Non, la solidarité, c'est pas dire, ceux qui ont préféré mettre leur famille à l'abri financièrement ou quoi, vous allez payer parce que d'autres ont pris le risque. Oui, ont pris le risque et l'ont perdu. Exactement. Parce que leur défaite, c'est leur défaite, c'est pas celui du... C'est auprès de toi qu'on va raquer. Le truc, c'est de sortir de ce. C'est toi qui va payer les erreurs des autres. Le truc, c'est de sortir de cette idée de. Mais je trouve ça vachement égoïste. Mais oui, c'est ça, c'est vachement égoïste en fait. Tu crées une caste de privilégiés. Oui, c'est ça, on crée pas d'égalité, on renverse juste les tables. Mais. Tu passes de certains privilégiés à d'autres. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Bah non. Bah si. Mais si les privilégiés, c'est la quasi-totalité de la population. Là, dans ce cas-là, il y aura un problème. Bah, parce que si la quasi-totalité de la population prend l'argent de la minorité, tu n'auras plus l'argent vite fait. Hein. Et là, c'est en fait, vous êtes en train de d'une situation qui n'arrivera pas. Donc là-dessus, je reste un peu transpect quand même. Hein, mais, Pourquoi tu la défends depuis 20 minutes, ça n'existe pas. Je pense qu'on est là pour discuter d'une vision qu'on souhaiterait arriver. Tout le monde deviendra cinéaste, ça n'existe pas, ça ne se passera pas comme ça. Parce que quand tu vois le nombre de. Le fait est que même si tout le monde ne le devient pas, le fait qu'une partie, peut-être non négligeable, et encore une fois, on n'en sait rien, donc personne ne peut en parler, mais le fait qu'une partie prenne l'argent et entre guillemets se barre avec parce qu'elles se sont plantées. Ça crée quand même une case de privilégiés parce que tu vas dire certains corps de métier, certaines personnes ont le droit de se planter et pas d'autres. C'est exactement ça. Et là, c'est une injustice. Là, ça fait une case de privilégiés. C'est pas ça. Pourtant, c'est exactement ce que tu cherches à défendre. Ce que ça veut dire. Le métier n'est pas une chose fixe. Tu ne. Va falloir penser vite à la reconversion parce que tu ne peux pas continuer de prendre de l'argent sans te barrer. C'est ça, tu. Liberté de faire ce que tu veux. Je crois que vous avez de parler. On pense pas. Non, j'aurais une question pour vous. Benoît, si principalement Jean, je pense. Est-ce que si justement vous me parlez d'une caste privilégiée, est-ce que il n'y a pas un risque selon vous que nos agriculteurs, toutes les personnes qui préfèrent ne pas prendre de risques et choisir une vie plus
je dirais plus, voilà, plus sécurisés, vont justement, bah, comme ce risque. J'ai bugué. Comprends pas trop ce que tu dis. Assumer ton échec. C'est-à-dire que tu as pris le risque en toute conscience de cause. Et si tu l'as pas pris en tête, t'aurais dû y réfléchir. Oui, c'est ça, tu peux pas commencer un duel avec la vie, finir blessé et venir plaindre au destin. C'est pas la pire chose au monde si tu prends, que si d'en tu revenir prends, à travailler, parce que là, tu vas te retrouver comme tous les autres Français dans une certaine solidarité, tout à fait. Et l'idée, et autour, tu vas aider les gens à prendre le risque. En fait, j'aurais une question pour toi, Alex. N'est pas. Oui. Excuse-moi de te couper, mais. Pour toi, le but du salaire universel, c'est justement de supprimer ces inégalités, principalement dues à bah, le patronat, le capitalisme, voilà. Ce serait ça, non? En fait, le but premier du capitalisme... Du revenu universel, s'il était implémenté dans notre société, ce serait d'abord de sortir les gens de la précarité. Ah non, évidemment. Hein, pardon ? Oui. Vas-y, comment ? Vas-y. Et ensuite, ça pourrait revenir à l'idée, du coup, d'une rémunération qui serait découplée du travail. Et ça permettrait de pallier en redistribuant les richesses aux inégalités compris, effectivement qui ont été induites par le système capitaliste. Ok, il nous reste 5 minutes. Jean, juste avant. T'es pas content, c'est pas une raison pour exploser ton clavier. J'aimerais savoir pour vous les gars. En fait, pour vous en fait le revenu universel ne servira à rien parce que pour vous ça retournerait pour vous quoi qu'on fasse il y aura toujours des privilégiés finalement. Non, un retour universel idiot et totalement D'accord. Donc c'est pas ça en fait, c'est un revenu. Donc pour vous un revenu universel s'il est mal utilisé, s'il est voilà, si bah nous, utilisé... le but du revenu universel, évidemment, c'est que les gens vivent dignement, s'en sortent dans la vie, d'accord, et une sécurité financière. Le truc étant que s'il est mal employé, la chose qui va se passer, c'est que ce sera toujours la même caste de gens qui va payer pour qu'une nouvelle, finalement, n'ait plus à payer. D'accord. Et c'est ça qui serait le problème. Alors que si on le fait dans une logique totalement égalitaire, totalement tout le monde sur la même base, et tout le monde doit autant et y gagne autant, bah là, d'un seul coup, on s'en sort avec une solidarité, une égalité, et je pense que les gens s'en sortiraient très dignement. Mais le problème étant que, on peut pas dire tout le monde va payer autant, tout le monde va gagner autant, mais certains vont pas payer autant, et d'autres vont gagner pour rien donner. On peut pas dire, il y aura des exceptions. Il faut que ce soit tout le monde la même chose, tout le monde les mêmes prérequis, et tout le monde les mêmes finalités. Parce que sinon, tu t'en sors pas, et tu peux pas créer d'inégalité là-dedans, parce que tu fais foirer tout le projet derrière. Donc du coup... vous êtes tous les trois pour un certain revenu universel. Alex, tu serais pour un revenu universel totalement plus libre. Tu penses que les gens... Mais en soi... Là, je parle de la finalité du revenu universel quand je parle de ça. Tu penses que les gens peuvent s'autogérer ? Chacun pourrait choisir et vivre... en fonction de ses besoins et contribuer en fonction de ses moyens, avec une redistribution au final qui ont besoin d'aide, donc je pense aux étudiants, machin, tu vois, tous les gens qui ont machin. Enfin bref, mais surtout, il permet d'aider ces gens, mais d'aider aussi la classe moyenne qui est celle d'habitude à qui on demande tous les efforts. Donc ça veut dire que non seulement les gens précaires vont pouvoir s'en sortir, mais en plus, les classes moyennes qui sont, on sait, vraiment beaucoup, beaucoup taxées en France parce qu'elles payent pour tout le monde. Puissent elles aussi s'en sortir, s'aider et vivre encore plus, enfin bien plus dignement. Et c'est en ça que j'aime beaucoup le revenu universel, c'est qu'il aide vraiment toutes les classes en même temps, enfin les deux classes qui ont besoin d'aide en gros. D'accord. Très bien. Mais du coup, avoir un revenu, pour arriver à cet objectif, pour toi, il faudra un revenu universel régulé. Voilà. On sait, c'est à peu près les régulations. C'est ça. C'est-à-dire que on donne de l'argent aux gens, mais. Voilà. Mais sur certaines conditions finalement.
pour que tout le monde s'enrichisse. D'accord. C'est ça. Bah, en fait, si tu veux, moi, ça m'arrangerait beaucoup qu'on donne de l'argent aux gens pour qu'ils enrichissent les gens autour d'eux. Très bien. Le souci des régulations et des conditions à l'accession de l'univers, c'est des soucis de considération de tout simplement de liberté de l'individu. Pour toi, Alex, tu penses que, cette régulation pour le revenu universel, ça serait un peu dénaturer finalement l'essence du revenu universel, peut-être ? Non ? Un peu, d'accord. C'est ça. Parce que c'est un peu comme l'idée de la politique natale de la France. Qui a servi du coup à justifier une restriction des droits des femmes jusque dans les années 70, par exemple. Bon, oui, ok. Tu souhaiterais conclure peut-être, Alex ? Et après, on. Bah, Arthur, toi, tu conclurais comment ? Bah, le dernier, on n'a pas entendu pour la conclusion, c'est Arthur. Ou Arthur. Répète-t-il, excuse-moi, oui. Bah, vas-y, en fait, on a tous fait notre conclusion et t'es le dernier. Ah, oui, c'est vrai, excuse-moi, Alex. Dans un revenu universel, comme a dit Jean, il faudrait qu'il y ait vraiment quelque chose d'universel de A à Z, c'est-à-dire que chaque personne qui contribue à notre société puisse avoir une chance donnée par cette même société, et donc que chaque personne qui n'y contribue pas n'est pas justement en fait ceci. Parce qu'il y a des gens effectivement qui essayent de donner une aide à la société, que ce soit de la nourriture, de la science ou même des arts, mais malheureusement ces arts ne sont pas quelque chose... Quoi malheureusement ? Bordel, on vous a fait quoi ? Malheureusement, oui c'est pour moi... Pour moi, l'art, ça ne met pas à manger dans une assiette. Hein. Mais vas-y, soit, passons en détail. On ne va pas reparler de ça. C'est un détail. Elle se finance par. Oui, donc l'art, malheureusement, il y a plusieurs trucs comme ça. Mais c'est genre, par exemple, le sportif et tout. Et donc, ces gens-là ne doivent pas non plus, bien qu'ils méritent un revenu universel comme les autres, ne doivent pas non plus devenir une classe de personnes privilégiées qui, en fait, justement, en fait, se vivraient du travail des autres. Ça ne deviendra pas. Pouvoir... Oui, mais. Moralement, on peut pas laisser l'opportunité à ça d'apparaître. Dans ce cas-là, autant pas donner de RSA, autant pas donner de. Non, ça n'a rien à voir là. On s'écarte un peu. En tout cas, c'était quand même un bon débat. Merci beaucoup. C'était agréable d'avoir plusieurs idées différentes. À peu près maintenant, votre avis sur le sujet et connaît un peu plus le thème du revenu universel. Donc à chacun de choisir son opinion, voilà. Et je trouve ça plutôt bien que chacun a... Bon, je ressens un peu un camp... C'est intéressant, puis je t'avoue voilà, une opposition entre Alex aussi. et Jean et Arthur, voilà, qui eux veulent plus un revenu universel régulé, voilà. Mais en tout cas, je trouve ça... Même entre Jean et Arthur, c'est vrai que vous avez quelques différences. Sec. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis sur ce live. Merci encore à Alex. Voilà. Cruel. Excusez-moi, voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur ce débat. Encore merci à Alex. Merci à Jean et à Arthur d'avoir participé. En tout cas, je pense qu'on a quand même l'essence de ce débat. Et voilà. Je vais rendre l'antenne à mon ami Noah. C'était marrant. Qui va conclure. Et juste avant, une petite page de pub, le temps qu'on fasse la transition, et voilà. Au revoir les gars, et merci encore. Avec plaisir. Avec plaisir, on se remet ça. Avec plaisir. Ouais. Très bien, à plus. J'ai soif d'aventure pour ceux qui ont faim de liberté. Je suis le gardien de valeurs qui n'ont pas de prix. Toujours solidaire. Jamais solitaire. Je reste en éveil pour que vous dormiez en paix. Je veux être le nouveau souffle, juste après la tempête. Toujours debout, j'avance pour faire reculer la peur. Ici. Ailleurs. Et plus loin encore. J'irai toujours de l'avant, pour que les hommes ne reculent jamais. L'armée de terre recrute 15 000 soldats. S'engager.fr. Votre volonté, notre fierté.
Ouais l'équipe, je vous fais une petite story là en direct de mon appart à Poitiers les gars. La cité. Juste, faut que je vous parle d'un truc vachement important. Je vous explique après. A tout de suite l'équipe. Ouais l'équipe, faut que je vous annonce un truc. Je sais pas, vous avez remarqué j'imagine, parce qu'on en entend partout parler. Il y a le coronavirus qui est arrivé et il y a plein de morts et j'ai trouvé une astuce pour sauver le monde. Genre vraiment, vous allez voir la story suivante, mais ça va sauver des vies à mort ce truc. Allez, à plus. Ça c'est un truc de ouf l'équipe. Et on peut tout faire avec, regardez, il y a un trou pour mettre ma clope là ici. Hop là, voilà. Il y a un petit rangement pour les lunettes juste là. C'est merveilleux le gars. Et c'est pas cher. Enfin, c'est à 99,99€, mais comme je suis généreux, je vais vous donner un petit code promo. Donc, vous allez taper Covid05 et vous allez avoir une réduction de 5 centimes. L'équipe, c'est un truc de ouf. Allez, foncez, achetez ça, les gars. C'est la fin de ce live. On voudrait remercier les comptes Instagram, même poids de 20, tout attaché et comme cela s'affiche en bas de votre écran, tout simplement pour leur soutien de ouf, allez les follow. Leurs liens sont dans la description du live. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe technique qui était dans l'ombre pour le travail de ouf qu'ils ont fait, parce que tout ça, sans eux, ça n'aurait pas du tout été possible. Et oui, on s'excuse aussi des petits bugs qui étaient présents au cours du live. Mais voilà, c'est que notre deuxième fois, voilà, pas de problème. Et allez follow aussi notre compte Instagram clubvideo.bda, là vous pouvez retrouver toutes les coulisses, les backstage comme on l'appelle, du live. Et aussi notre chaîne YouTube en appuyant juste en bas sur le bouton s'abonner. Et aussi si le live vous a plu, vous pouvez like. Je rappelle que le live sera disponible en...